السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا. En cette soirée du mercredi 2 Rabi al-Awwal 1433 de l'Hégire, ce qui correspond avec le 25 janvier 2012, bi-idhnillahi azza wa jalla. Donc aujourd'hui, mercredi, comme vous savez, Inch'Allah Ta'ala, pour que vous le sachiez aussi, nous on a deux cours par semaine. Le samedi, le mercredi, Inch'Allah. Le samedi, c'est Riyad Salihin. C'est en général Riyad Salihin, sauf imprévu. Riyad Salihin, nous sommes seulement au premier tome. Peut-être même pas la moitié du premier tome. Alors qu'il y en a 6 ou 7. 6 ou 7 tomes, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, question de samedi, il n'y a pas de problème. Reste le mercredi. Le mercredi, bon, vous pouvez le confirmer sur le site, c'est écrit qu'il y a 10 vers. Donc, à chaque fois, il y a, inshallah ta'ala, un nouveau livre. Alors, on termine un livre, on va vers un autre livre, et comme ça, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, le dernier livre qu'on a vu, l'année, on a étudié les mercredis passés, c'était les 6 fondements bi-idhnillahi azza wa jalla. Explication de Cheikh Ibn Uthaymeen. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, j'ai décidé qu'on commence un livre sur la aqida, spécialement qui parle des signes de la fin du monde. J'ai choisi le livre qui s'appelle Les signes de la fin des temps, édition d'Al-Hadith de Bruxelles. Édition Al-Hadith de Bruxelles. Parce que c'est un livre qui est écrit en français. Donc ça va me permettre, c'est-à-dire que je n'aurai pas besoin de lire en arabe, sauf les versets et les hadiths. Car le livre, c'est une traduction de quoi? D'un livre en arabe. Et comme moi, je m'adresse aux francophones, donc ce n'est pas la peine de lire en arabe et en français, car ça va prendre beaucoup de temps. Donc, Inch'Allah Ta'ala, c'est un livre en français, naam. Il se vend chez vous. Il coûte 16 euros d'après ce que j'ai vu sur internet. Il est de couleur rouge. Ce livre, à la base, c'est une thèse de magistère. C'est une thèse de magistère. Ensuite, vous voyez sur la bannière que celui qui a écrit ce livre est maintenant un docteur. Un docteur en sciences islamiques. Vous voyez. Ce livre m'a plu parce que il se base sur des choses authentiques. C'est la aqida des salaf, en même temps des hadiths d'Ibn Azzawj authentiques. Ce premier cours d'aujourd'hui et le prochain, Inch'Allah Ta'ala, ce sera seulement sur l'introduction du livre, l'avant-propos et la préface. Le premier cours sur les signes, le premier signe, ce sera Inch'Allah Ta'ala dans le troisième cours. Mais malgré cela, je vais essayer Inch'Allah Ta'ala d'abréger pour que ça soit le premier cours sur le premier signe, pour que ça soit mercredi prochain, Inch'Allah Ta'ala. Donc, je vais sauter des choses de la préface, car c'est très important cette préface. Je vais essayer de résumer et de sauter certaines choses, Inch'Allah Ta'ala. Je dis, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa salam ala ashrafil mursalin. L'auteur dans la préface, après avoir cité, Khotbat al-Hajjah, c'est-à-dire, Inna alhamdulillah, Mahmaduhu, Nastaghfiruhu, etc. Il l'a cité en français. Quand il a terminé, il a dit.
Allah Azzawajal. Donc, avant de commencer, confirme-moi que tu es là, je veux dire une chose importante, confirme-moi. Tayyib, alhamdoulilah. Donc, moi, je suis en train de lire du livre. Donc, mes yeux ne sont pas fixés sur le salon. Donc, si jamais je perds microphone, parle et non pas que tu m'écrives. Non, il faut que tu prennes toi le micro et tu lui dis Bismillahirrahmanirrahim, a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec la vérité pour annoncer la bonne nouvelle et mettre en garde les gens avant la venue de l'heure. Il n'a donc délaissé de bien sans l'avoir indiqué à sa communauté, ni de mal sans en l'avoir averti. Du fait que notre communauté est la dernière et que Mohammed alayhi salam est le sceau des prophètes, Allah a donné exclusivement à sa communauté des signes précurseurs de l'heure, tout en les ayant expliqués par le biais de son prophète alayhi salam de la plus parfaite et la plus complète des manières. Il a informé que les signes de l'heure apparaîtront, nul échappatoire à cela. Il n'y a aucun prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour montrer aux gens ces signes et ce qui arrivera à la fin des temps comme événement important annonçant la destruction de ce monde et l'avènement d'une vie nouvelle où chacun sera rétribué en fonction de ce qu'il aura accompli. Allah Azzawajal a dit dans le Coran, sourate Zilzala 7-8, il a dit: Famen ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Wamen ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Et quiconque fera un mal, ou bien fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Vu que parmi les dogmes auxquels il incombe de croire figure la foi au jour dernier, ainsi qu'à la rétribution et au châtiment durant ce jour, et vu que la vision de l'homme ne se limite peut-être qu'à ce monde et ce qu'il contient comme jouissance, tout en oubliant le jour dernier et ne faisant rien pour, Allah fit en sorte qu'il y ait avant l'heure des signes annonçant sa venue, c'est-à-dire la venue, la fin du monde, confirmant qu'elle arrivera inévitablement. Afin que le moindre doute la concernant ne s'empare des gens et que rien ne les en détourne. Dès lors que le véridique prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mentionne certains signes de la vie des temps et que les gens les voient se produire, ils sauront avec certitude que l'heure arrivera sans aucun doute. Ils agiront donc en conséquence et se prépareront pour ce jour en accomplissant les bonnes œuvres avant qu'il ne soit trop tard et que le temps imparti ne s'écoule. Allah Ta'ala dit dans le Coran, en voulant montrer trois sortes de gens, yani Yawm al-Qiyamah, trois sortes de gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Que vont dire ces trois sortes de gens, Yawm al-Qiyamah? Regardez comment pensent les gens, comment ils vont penser Yawm al-Qiyamah. Allah Ta'ala a dit, Sourate Zumar, verset 56-58, Sourate Zumar, verset 56-58, il a dit, أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. Avant qu'une âme ne dise, malheur à moi pour mes manquements envers Allah. وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ. Car j'ai été certes parmi les railleurs. Donc, certains groupes diront, ils vont regretter, vont dire quoi? Reconnaître qu'ils étaient parmi les railleurs qui se moquaient, hein, qui se moquaient des gens et des religieux. أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. La deuxième sorte de gens, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, ah, si Allah m'avait guidé, j'aurais été certes parmi les pieux. Ah, si Allah m'avait guidé, j'aurais été certes parmi les pieux. Cette deuxième sorte, quand vous remarquez,
C'est une sorte qui c'est comme si elle voulait accuser Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est lui qui l'avait pas guidée. Vous comprenez? Ah, si Allah m'avait guidée, j'aurais été certes parmi les pieux, mais dommage, il ne m'a pas guidée, c'est pas de ma faute. Et la troisième sorte, que va dire? Elle va dire, ou bien qu'elle ne dise, en voyant le châtiment, en voyant le châtiment, ah, s'il y avait pour moi un retour, ah, s'il y avait pour moi un retour, je serais alors parmi les bienfaisants. Ah, s'il y avait un retour, je serais alors parmi les bienfaisants. Et bien sûr, ces trois sortes de gens, bien sûr, yani, c'est l'enfer qui les attend et n'auront aucune excuse. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait dans son serment, j'ai été envoyé avec l'heure, tel ces deux-ci, en désignant l'index et le majeur. C'est-à-dire que, vous savez que l'index et le majeur sont presque collés l'un à l'autre. Ils se suivent. Non. Comme ça a voulu dire le prophète Sarsen. Il a dit, ma venue, moi, et la fin du monde, c'est pas loin. Ça se suit. D'ailleurs, c'est le dernier prophète, alayhi sallam. C'est pour ça que c'est lui le dernier, alayhi sallam. Aussi, lorsqu'il mentionnait l'heure, ses joues devenaient rouges, alayhi sallam. Sa voix s'élevait et sa colère s'intensifiait, tel le guet d'une armée les mettant en garde contre l'ennemi matin et soir. En effet, les compagnons, radiallahu ta'ala anhum, craignaient la venue de l'heure quand ils étaient vivants. Chose qui apparut clairement lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur fit la description du faux messie, Messie Dajjal. Comme cela est relaté dans le hadith que rapporte Nawas ibn Sam'an, radiallahu ta'ala anhu, disant, il a dit, un matin, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, évoqua le faux messie. Il élevait la voix et la baissait, si bien que nous pensâmes qu'il se trouvait derrière quelque palmier. Tellement, alayhi sallam, élevait la voix et la descendait, ils pensèrent que le faux messie n'était pas loin, qu'il était là derrière quelque palmier. Mais, quand nous nous rendîmes auprès de lui, il remarqua cela en nous et dit, qu'avez-vous? Et nous de répondre, ô messager d'Allah, tu as parlé du faux messie le matin, tu as élevé la voix et l'as abaissé, si bien que nous pensâmes qu'il se trouvait derrière quelque palmier. Il répliqua alors, غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِ عَلَيْكُمْ. Ce n'est pas le faux messie que je crains le plus pour vous. S'il apparaît, si jamais le faux messie apparaît et que je suis présent, vivant parmi vous, c'est moi qui le vaincrai par la preuve pour vous. Et si jamais il sort et que je ne suis plus parmi vous, chacun de vous le combattra par la preuve pour lui-même. Wallahu khalifati ala kulli muslim. Et Allah Azza wa Jal sera mon successeur pour chaque musulman. L'auteur dit, de nombreux signes de l'heure sont déjà apparus. Et ce que le prophète alayhi sallam avait prédit, s'est réalisé. Chaque jour, la foi des croyants augmente ainsi que leur confiance en lui. Car ce qui apparaît comme preuve de sa prophétie et signe de sa véracité, pousse les musulmans à se rattacher davantage à cette religion. Comment leur foi n'augmenterait-elle pas alors que les événements de l'ordre de l'invisible et de l'inconnu dont le messager alayhi sallam avait parlé se réalisent exactement comme il l'avait dit. Chacun de ces signes dont il a parlé alayhi sallam est un miracle manifeste octroyé au prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam de cette communauté. Que le malheur frappe encore et toujours ceux qui renient son message, ceux qui s'y opposent, ainsi
ainsi que ceux qui en doutent. Maintenant, on va passer, inshallah ta'ala, à lire trois ou quatre points. Il y a trois ou quatre points, bi'idhnillah ta'ala, qui sont toujours dans l'introduction, mais et qui ont rapport avec quoi? Avec yani, le jour dernier et le jour de la résurrection. Le premier point, l'importance de la foi au jour dernier et son influence sur le comportement. L'importance de la foi au jour dernier et son influence sur le comportement du croyant. La croyance au jour dernier est l'un des piliers de la foi et une croyance essentielle en islam. En effet, la résurrection dans la vie future est le point sur lequel repose le dogme, la aqida, après Tawhid Allah subhanahu wa ta'ala, après l'unicité d'Allah azza wa ta'ala. La croyance aux événements qui se dérouleront au jour de la résurrection, ainsi qu'à ses signes, fait partie de la croyance de l'invisible, ne pouvant être cernée par la raison ni connue, sinon grâce à la révélation. Ce qui montre l'importance de ce jour terrible est qu'Allah Azzawajal lie souvent la foi à lui, à ce jour terrible, il lie la foi à lui avec la croyance au jour dernier. Comme dans Sourate Al-Baqarah, verset 177. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Ça ne suffit pas. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَلِيَوْمِ الْآخِرِ. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah et au jour dernier. Vous avez remarqué, en Allah et au jour dernier. Ça marche ensemble. C'est impossible que quelqu'un croit en Allah et ne croit pas au jour dernier. Ce n'est pas possible. De même qu'il a dit dans Sourate Talaq, Sourate Talaq, verset numéro 2, il a dit ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ. Il a dit, voilà ce à quoi est exhorté celui qui croit en Allah et au jour dernier. Non, celui, voilà, yani, ce à quoi est exhorté la personne qui croit en deux choses, en Allah et au jour dernier. Les versets allant en ce sens sont très nombreux. Il est rare de tourner une page du Coran sans y trouver la mention du jour dernier, sa rétribution et son châtiment. La vraie vie, dans la vision islamique, n'est pas la vie terrestre, courte et limitée, ni la faible longévité de l'homme. La vie sur l'échelle du temps, dans la vision islamique, s'étend éternellement et sur l'échelle du lieu. C'est une autre demeure au paradis. Paradis aussi large que les cieux et la terre. Ou une demeure en enfer assez grande pour contenir des générations ayant peuplé la terre des siècles durant. C'est soit un grand paradis qui attend, soit un grand enfer. C'est comme ça la vision islamique. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Sourate Al-Hadid, verset numéro 21. Sourate Al-Hadid, verset numéro 21, il a dit سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur ainsi qu'un paradis. عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Il a dit aussi, dans Sourate Qaf, verset 30, il a dit, en parlant maintenant de l'enfer, يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ. Et le jour où on dira à l'enfer, es-tu rempli? Et il dira, y en a-t-il encore? Y en a-t-il encore? La croyance en Allah et au jour dernier, sa rétribution et son châtiment est ce qui mène réellement la personne à emprunter le chemin du bien,
De plus, il n'existe aucune loi humaine pouvant octroyer à la conduite humaine une droiture comparable à celle qu'engendre la foi au jour dernier. C'est pourquoi il y a une différence considérable dans la conduite de celui qui croit en Allah et au jour dernier, qui sait que la vie terrestre n'est qu'un champ de récolte pour l'au-delà, que les actes pieux constituent la provision de la vie future. Allah Ta'ala dit dans le Coran, sourate Al-Baqarah 197, il a dit « وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى » Et prenez vos provisions, mais vraiment la meilleure provision, c'est la piété. Prenez vos provisions, mais vraiment la meilleure provision est la piété. Pour voyager, il faut des provisions. On ne peut pas voyager sans provisions. La même chose, maintenant tu vas faire un grand voyage vers l'au-delà. Est-ce que tu as pris tes provisions ou pas? Le malheureux, le pauvre, miskin, c'est celui qui viendra Yom al-Qiyama sans provisions. C'est celui qui n'a pas préparé ses provisions et qui va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala comme le plus pauvre. Le plus pauvre. Non. Ce jour-là, il regrettera, mais ce sera trop tard. Non. Il dit ici, il y a donc une différence entre la ligne de conduite de celui dont la situation est telle et la voie d'un autre qui ne croit ni en Allah, ni au jour dernier, ni en ce qu'il renferme comme récompense et châtiment. Non. Celui qui croit au jour de la rétribution œuvre en gardant à l'esprit la balance céleste du ciel, et non la balance terrestre. Le jugement futur, non le jugement terrestre. Non. Celui qui croit au jour de la rétribution, il œuvre en ayant toujours dans la tête quoi? Comment vais-je rencontrer mon Seigneur demain? Non. Et il pense seulement au jugement du futur. Tandis que celui qui ne croit pas, il ne pense qu'à quoi? Qu'à ses passions et comment assouvir ses tentations. Et ça n'intéresse pas ce qu'il y a demain, car il n'y croit pas. Si, Afoun, sa ligne de conduite dans la vie est unique, le croyant, il fait preuve de droiture, d'ouverture d'esprit, de force de foi, de ténacité dans les moments difficiles et de patience dans le malheur en vue d'acquérir la récompense et la rétribution. Car il sait que ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable. L'imam Muslim rapporte, d'après Suhaib, radiyallahu ta'ala anhu, que le messager alayhi salallahu alayhi wa sallam a dit, « Ajaban li amri al-mu'min » Le cas du croyant est étonnant. Inna amrahu kullahu khayr. Toute son affaire est un bien. Wa laysa dhalika illa lil mu'min. Et cela n'appartient à personne sauf au croyant. In asabathu sarra'un shakar fa kana khayran lahu. Si un bonheur le touche, il remercie ce qui est un bien pour lui. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرْ فَكَنَ خَيْرًا لَهُ Et si un malheur l'atteint, il patiente, ce qui est un bien pour lui. Hadith authentique. Le bienfait du musulman ne se limite pas seulement aux êtres humains, mais s'étend également aux animaux, comme cela est souligné par la parole célèbre de Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Quand il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Si une mule trébuche en Irak, alors qu'il était à Médine, il a dit, si une mule trébuche en Irak, je crois bien qu'Allah, Azza wa Jal, me questionnera à son sujet. Pourquoi ne lui as-tu pas aménagé le chemin, ô Omar, hein? Toi qui étais responsable des êtres humains et des animaux. Tu étais responsable dans ton califat. C'était quoi? C'était toi qui commandais. Pourquoi telle mule a trébuché, peut-être est tombée, hein, sur tel chemin en Irak? Pourquoi ne lui as-tu pas aménagé le chemin? Ce sentiment provient de l'influence de la foi en Allah Azza wa Jal et au jour dernier, et de la prise de conscience de la lourde responsabilité dont s'est chargé l'homme, mais
qu'on refusait de porter les cieux, la terre et les montagnes. Il s'agit de réaliser que l'on est responsable de toutes choses, petites ou grandes, car on sera jugé et rétribué en fonction de cela. Le bien pour un bien et le mal pour un mal. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Sourate Ali Imran 30, verset 30, Sourate Ali Imran, il a dit, Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khayrin muhdara. Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien, wa ma 'amilat min su', et ce qu'elle aura fait de mal. Tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida. Elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une grande distance. Non. Et Allah Ta'ala dit aussi, Allah Ta'ala dit aussi, dans Sourate Al-Kahf, 109, Sourate Al-Kahf, verset 40, وَوُضِعَ الْكِتَابُ. Et on déposera le livre de chacun. Et on déposera le livre de chacun. Vous savez-vous que nous les croyants, on croit quoi? On croit que on a un livre qui est attaché à notre cou. Maintenant, je suis en train de vous parler, j'ai un livre qui est attaché à mon cou. Nous tous en avons. Les croyants croient, et les mécréants, bien sûr, disent c'est pas vrai, c'est de la folie, etc. Nous, on a un livre qui, à chaque fois qu'on fait une bonne chose, il y a un ange qui est inscrit, et à chaque fois qu'on fait une mauvaise chose, il y a un ange qui est inscrit. Mais on ne peut pas dire ce qu'il y a, ça. Le jour de la résurrection, on va lire ce livre. Allah Ta'ala dit, et on déposera le livre, et on déposera le livre de chacun. Alors tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans. Tu les verras dire, Yaqulun, Ya waylatana, ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Tu les verras dire, malheur à nous, qu'a donc ce livre à nous mettre de mentionner ni péché mineur, ni péché majeur. Wajadu ma amilu hadiran. Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Sourate Al-Kahf, verset 49. Quant à celui qui ne croit pas en Allah Azzawajal, ni au jour dernier, ni au jugement, ni à la rétribution, celui-ci essaie tant bien que mal de réaliser ses objectifs dans la vie terrestre. Non, dans la vie terrestre, courant à en perdre le souffle derrière ses jouissances, désireux avec ardeur de les obtenir, faisant obstacle sur son chemin au bien qui pourrait atteindre les gens. Il a fait de la vie terrestre la chose la plus importante et le but ultime de son apprentissage. Évaluant les choses en fonction de son intérêt personnel, sans se soucier des autres. Sauf quand cela permet de lui octroyer un bien dans cette vie courte et limitée. Donc je disais que celui qui ne croit pas au jour dernier, il n'œuvre que pour ce bas monde. Tous ses objectifs, c'est d'assouvir ses passions. C'est d'assouvir ses passions et ses tentations. Il œuvre, mais ses repères se limitent à la vie terrestre. C'est pourquoi son jugement est autre. Sa balance est différente et il n'aboutit qu'à des résultats erronés. Car il considère improbable la résurrection. Allah Ta'ala a dit dans Sourate Al-Qiyamah, verset 5-6. Sourate Al-Qiyamah, verset 5-6. Il a dit, بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. L'homme voudrait plutôt continuer à vivre en libertin pour assouvir ses passions. يسأل أيان يوم القيامة. Il interroge à quand le jour de la résurrection. Il se moque. Comprenez, il veut vivre en libertin, ne faire que ce que lui dictent ses passions. Et âme, si tu veux pas du jour de la résurrection, il te dit, à quand le jour? C'est quand ce jour-là? Il ne veut pas arriver. C'est quand ce jour? Cette optique païenne, limitée et niaise, a poussé les gens de l'époque
de l'époque de l'ignorance à faire couler le sang, s'emparer des fortunes et barrer le chemin, car ils ne croyaient ni à la résurrection ni à la rétribution. Tout comme Allah a décrit leur situation lorsqu'il a dit, Al-An'am, verset numéro 29. Al-An'am, verset numéro 29. Allah Ta'ala a dit, en parlant d'eux, de ce genre-là de gens, il a dit, وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. Et ils dirent, il n'y a pour nous d'autre vie que celle d'ici-bas, et nous ne serons point ressuscités. Il n'y a pour nous d'autre vie que celle-là. Celle-là, là où nous vivons d'ici-bas. Il n'y aura point de résurrection. D'ailleurs, l'un d'eux a dit, la matrice donne et la terre reprend. Non, la matrice donne, c'est-à-dire que cette vie se résume en deux choses. Cette vie se résume en deux choses. C'est quoi ces deux choses? Les femmes enfantent, nous enfantent, non, et la terre nous reprend. Et après on meurt et on va être enterré sur la terre. Donc la vie se résume à quoi? À quoi? C'est-à-dire à vivre et mourir, c'est tout. Tu vis et tu meurs et tu deviens de la terre. Ça y est. Les générations passent, la stupeur s'installe et le reniement est plus grand. Ainsi, le déni de toute chose en dehors du matériel est total, comme dans le communisme marxiste, athée, qui ne croit ni en Allah Azzawajal, ni au jour dernier, et décrit la vie comme étant la matière seulement, considérant qu'il n'y a rien d'autre en dehors de la matière tangible. Leur leader, Karl Marx, prétend qu'il n'y a pas de Dieu et que la vie, c'est la matière. C'est pourquoi ils sont comparables aux animaux, ne comprenant guère le sens de la vie et la raison pour laquelle ils ont été créés. Au contraire, ils sont égarés et perdus. Et s'ils arrivent à se grouper en communauté, cela se fait par crainte de représailles de la loi. Non. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit deux dans Sourate Muhammad, verset numéro 12. Écoutez ce qu'il a dit. C'est pas dans le livre, mais écoutez ce qu'il dit. C'est dans notre livre, le Coran. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُوا الْأَنْعَامُ. Avant cela, il parlait des croyants. Il a dit, ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, Allah les fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Voilà. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, Allah les fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et ceux qui mécroient jouissent et mangent comme mangent les bestiaux. Et le feu sera leur lieu de séjour. Vous voyez la différence entre les deux? Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, Allah les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et les autres, et ceux qui mécroient, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouissent, ils passent leur vie dans les jouissances et mangent comme qui? Comme mangent les bestiaux. Et le feu sera leur lieu de séjour. Sourate Mohammed, verset numéro 12. Et Allah Ta'ala aussi, en parlant d'eux, a dit quoi? Non, il a dit, Baqara 96, il a dit, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ. Et certes, tu les trouveras les plus attachés à la vie. À la hayat, وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Pire en cela que les polythéistes. يَوُدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُوا أَلْفَ سَنَةٍ. Tel d'entre eux aimerait, donc, et certes, tu les trouveras les plus attachés à la vie. Naam. Comment ne pas être attaché à la vie pour quelqu'un qui n'a pas d'au-delà. Imaginez qu'on vous dise qu'il n'y a que cette vie. Qu'est-ce que vous feriez alors? On ferait le maximum pour assouvir le maximum de passions et de tentations. C'est logique, n'est-ce pas? Je ne vais vivre que cette vie. Donc je peux mourir dans quelques secondes, dans une heure. Donc je dois profiter au maximum. Mais maintenant, si je te dis, il y a une autre vie qui t'attend, et que celle-là, elle est fugace et éphémère,
et que celle-là, c'est seulement un pont pour passer vers l'autre. C'est un peu comme si je te disais, écoute, il n'y a de manger, il n'y a de manger que ce que j'ai là, ce que j'ai préparé aujourd'hui. Il n'y a rien. Donc, tu vas manger et profiter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que cela. Il n'y a que cela à manger. Et maintenant, si je te dis, attention, ce soir, on est invité à un buffet où il y a tout. Là, il y a tout, subhanallah, il y a toutes sortes de manger. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas te remplir le ventre maintenant? Ce serait de la folie. Tu ne vas manger que, tu ne vas que goûter. Tu vas dire, je vais juste goûter, mais l'essentiel, c'est pour manger le soir, le dîner. Je ne vais pas me remplir le ventre maintenant avec les lentilles. Non, les lentilles. Et ensuite, je vais laisser aller les sortes de poissons et les sortes de rôtis et les sortes de je ne sais pas quoi. Mais celui qui dit, s'il n'y a pas de dîner le soir, je suis obligé de manger maintenant et de manger beaucoup. La même chose pour celui qui croit qu'il y a l'au-delà, il est maintenant patient ici. Il pense et il vit pour l'au-delà. Tandis que l'autre, non. C'est très normal qu'il vive au maximum dans cette vie pour profiter au maximum. Pourquoi? Car il n'y a pas d'au-delà, il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de jour où on va rencontrer le Seigneur. Comme ça, il pense. Donc le polythéiste, le mécréant, n'espère aucune résurrection après la mort et aime donc la longévité. Non, c'est normal. Par contre, certains savent ce qui les attend dans la vie future, comme avilissement, à cause de ce qu'ils ont fait de la connaissance qu'ils possédaient. Cette catégorie de gens et leurs semblables sont la pire espèce. Nombre de choses sont propagées parmi eux dans la cupidité, l'avidité, l'accablement des peuples et leurs asservissements, ainsi que le dépouillement de richesses. Tout ceci en vue d'acquérir les jouissances de la vie terrestre. Aussi apparaissent chez eux la dissolution des mœurs et le comportement bestial. Non. On va maintenant citer. Qu'est-ce qu'il m'a dit ici? C'est quelque chose d'important. Il a dit, c'est pour cela que l'islam souligne dans le Coran l'importance de la foi au jour dernier et l'affirmation de la résurrection, du jugement et de la rétribution. En effet, il blâme les ignorants qui ont doute et ordonne au prophète de jurer qu'il s'agit d'une réalité. Il a dit dans Sourate Taghabun, verset numéro 7, Sourate Taghabun, Qul. Paul, c'est-à-dire, dis, ya Mohammed, dis-leur. Bala, mais si. Warbi, par mon Seigneur, je jure par mon Seigneur. Latoub'athunna, que vous serez très certainement ressuscité. Walatounabba'unna bima'amitum, puis vous serez, certes, informés de ce que vous faisiez. Wadhalika Allah yassir. Et cela est facile pour Allah. Cela est une chose très facile. Pour Allah Azzawajal. Naam. Il leur a dit aussi dans un autre verset, Al-Hajj, verset numéro 5. Al-Hajj, verset numéro 5. Il leur a dit, Ya Yuhannas, ô homme, in kuntum fi raybin min al-baht, si vous doutez au sujet de la résurrection, fa inna khalaqnakum, sachez alors que c'est nous qui vous avons créé de terre. Nous vous avons créé de terre. Puis d'une goutte de sperme. Puis d'une adhérence. Puis d'un embryon formé. Et aussi d'un embryon non formé. Non. Donc comment se fait-il que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un analphabète, il y a 1500 ans, a su cela. A su que le bébé, le fœtus, comment ça s'appelle, l'embryon, yani, comment qu'il passait par ses étapes. Comment que le bébé passait par ses étapes. Maintenant, vous savez que, yani, même les savants qui ne croient pas ça, savent que, par exemple, dans l'être humain, par exemple, il y a le fer, il y a le phosphate, il y a
Il y a différentes sortes de ce qu'il y a en terre, dans la terre. Pourquoi? Car justement, on a été créé de terre. Justement, on a été créé de terre. Et ce que la terre contient, il y a beaucoup de choses de ce que la terre contient, nous aussi, on les contient. Voyez. Celui qui a été capable de créer l'homme en phases successives n'est-il pas, n'est pas dans l'incapacité de le refaire une seconde fois? N'a-t-il pas la capacité de le refaire une seconde fois? De plus, le recommencement est plus simple, logiquement, que le commencement. Recommencer une chose, logiquement, est plus simple que de la commencer du néant. Nous qui n'avons jamais existé il y a quelques années, il y a 30, 20 ans, 40 ans, 50 ans, on n'existait pas du tout. On était néant. Et là, on existe. Qu'est-ce qui est plus difficile? De faire sortir quelqu'un du néant ou bien de le faire mourir et de le refaire ressusciter de nouveau? Sûrement que la première chose, c'est la plus difficile. Car il était néant, il n'existait pas, le néant, le vide. Et il a existé. Maintenant qu'il a existé, c'est plus facile de quoi? De le refaire exister s'il meurt. Là, Allah Ta'ala dit dans le Coran, Sourate Yassine, 78-79. Un dialogue entre un kafir et un musulman. Il a dit, Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Il nous a cité, il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Non, toi tu veux donner des exemples, tu veux donner des métaphores. Pense d'abord à ta propre création. Il a dit quoi? Il a dit, qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? C'est impossible. Comment peut-on redonner la vie à des ossements? Les voilà devenus poussière. Réponse. Allah Ta'ala dit, dis-lui, قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Dis-leur, celui qui les a créés, les eaux là dont tu parles, les eaux dont tu es en train de parler, celui qui les a créés la première fois, c'est lui qui le redonnera la vie. Il se connaît parfaitement à toute création. Dis-leur, celui qui les a créés la première fois, c'est lui qui le redonnera la vie. C'est-à-dire, ce qui est difficile, c'est de les créer la première fois. Ce n'est pas de leur redonner la vie. Redonner la vie à quelque chose qui a déjà existé, c'est simple pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui est difficile, c'est quoi? C'est de les faire créer la première fois. C'est pour ça que je me souviens une fois, j'avais un ami qui était vraiment proche de moi, j'étais vraiment proche de lui. Ensuite, c'est-à-dire avant que je commence même à faire la prière, et encore moins à appliquer. Ensuite, quand Allah subhanahu wa ta'ala m'a guidé, et je commençais à faire la prière, et quand j'étais jeune, je parle là, et alhamdoulilah, a commencé à m'impliquer dans la religion, donc bien sûr, on s'est quitté, on ne se voyait plus. Moi j'allais à la mosquée, lui il allait dans les bars, etc. Ensuite, une fois qu'on s'est rencontrés, il avait déjà entendu, bien sûr, du chemin que j'avais pris. Mais on ne s'était pas rencontrés. Une fois qu'on s'est rencontrés, il m'a vu avec la barbe, le kamis. Il m'a dit, Oulah, tu m'étonnes, toi. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, il y avait une voiture là, en face de nous, qui était garée. Il m'a dit, tu vois la voiture là-bas? Je lui ai dit, oui, il y avait un mur aussi. Elle était stationnée devant un mur. Il m'a dit, je vais monter dans cette voiture. Et je vais rentrer en plein fouet dans le mur. La voiture, il m'a dit, elle va tomber en pièces. Je lui ai dit oui. Il m'a dit, alors dis à la voiture de revenir comme elle était neuve. De revenir cette voiture là-bas, dis-lui de revenir neuve comme elle était. C'est-à-dire, il m'a dit que tu m'étonnes, comment tu puisses croire que demain c'est possible qu'on puisse ressusciter. Mais tu vois la voiture là-bas, elle va tomber en pièces détachées. Dis-lui alors qu'elle se relève et qu'elle devienne. Je lui dis, subhanallah, chauffe.
Tu es en train de comparer Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, à une chose, à une voiture. Ensuite, si on parlait de la voiture, cette voiture-là, avec laquelle tu vas rentrer dans le mur et qui va tomber en pied de maison, si c'est une voiture Renault, je l'amène à la maison Renault, une journée ou 2 jours, ils vont la retaper, elle va redevenir nouvelle comme elle était ou alors mieux. Non. Donc, une voiture, c'est possible de gagner de la faire revenir à son premier état. Pourquoi? Il y a des ingénieurs, il y a des hommes spécialement pour cela. Maintenant, pour nous, c'est la même chose. Il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, qui va nous faire revenir au premier état. Il a souri, bien sûr, il n'a pas accepté. Il a dû se dire, Allah, il a dû se dire dans son cœur, celui-là, il est faux, je peux pas aller continuer avec lui le dialogue. Et nous-mêmes, Allah subhanahu wa ta'ala a cité, donc, dans le premier point, la création. Il a cité que celui qui a créé la première fois peut créer. Dans un deuxième point, il va créer, il va parler de quoi? Les aspects concrets de l'univers. Il va donner des exemples avec ce qui se passe dans l'univers qui témoigne de la possibilité de la résurrection. Sourate al-Hajj, verset 5-7. Sourate al-Hajj, verset 5-7. Il a dit: وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً. De même, tu vois la terre desséchée. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. Dès que nous y faisions descendre de l'eau, elle se remue, ou là, elle remue, et se gonfle, ou embêtet min kulli zawjin bahij, et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux. Zalika bi anna Allah huwa al-haq. Il en est ainsi, car Allah est la vérité. Car Allah est la vérité. Ou annahu yuhyi al-mawta. Et c'est lui qui rend la vie aux morts. Et c'est lui qui est omnipotent. Et que l'heure arrivera. Pas de doute à son sujet. Et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombes. Si vous avez remarqué, Allah Ta'ala a donné l'exemple ici de quoi? Quand il a commencé le verset, il parlait d'eux, il a dit: jetez un coup d'œil, regardez autour de vous la terre quand elle est desséchée. La terre quand elle est desséchée, pour ceux de vous qui ont vu la terre, quand elle est desséchée, vraiment sèche, qu'est-ce qui se passe? Elle commence à se fondre. Non, il n'y a rien, aucune plante dessus. Par contre, elle commence à se fondre. On voit comme il y a des fissures. Elle commence à faire des fissures. Mais il a dit: dès que nous y faisions la descendre base de l'eau, virale qu'est-ce qui se VPS passe? a été mise à Elle se jour. remue, se gonfle et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux. Donc la terre qui hier était desséchée, il n'y avait rien au-dessus d'elle, dès que Allah Ta'ala lui a fait descendre de l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a remué, elle s'est gonflée et elle a commencé à donner toutes sortes de plantes. Maintenant on voit le maïs, on voit le... On voit toutes sortes d'herbes. On voit les fleurs, on voit les roses, les lilas, les coquelicots. Masha'Allah. Dès que Allah Ta'ala a parlé de la terre et de la pluie, quand elle tombe, et comment la terre commence à donner toutes sortes de belles plantes, dès lors il a parlé de quoi? De lui-même. Il a dit: parce qu'Allah est la vérité et c'est lui qui rend la vie aux morts. Ça veut dire, comme la terre était morte et avec la pluie, je l'ai fait revivre et elle a pu donner de belles plantes. Il a dit la même chose pour vous. Quand vous serez mort, c'est moi qui vais donner de nouveau la vie. Vous serez mort comme la terre qui est morte. Et quand même, elle a revivifié de nouveau. Avec quoi? Ma grâce. La même chose, vous aussi. Quand vous allez mourir, je vais vous donner l'ordre de ressusciter de nouveau. C'est pour ça qu'il a dit, et que l'heure arrivera, pas de doute à son sujet, et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombes. Comme Allah a pu ressusciter la terre, alors qu'elle était morte, pleine de fissures,
Il y a des lézards, il y a des lézards dans les fissures. Maintenant, c'est toute autre chose. C'est des coquelicots et des belles roses. Masha'Allah, et le blé. Non. La même chose pour vous, Allah Ta'ala a dit. Non. La revivification de la terre morte par la pluie et l'apparition des plantes est une preuve de la capacité du Créateur Azzawajal à redonner vie aux morts et faire venir l'heure. Non. Dans un autre verset, Sourate Yassine 81-82, Allah Ta'ala va donner la preuve aussi par la capacité manifeste démontrée dans la création de ce qui est plus grand. De ce qui est plus grand. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. Il a dit: celui qui a créé les cieux et la terre ne sera-t-il pas capable de créer leur pareil? Celui qui a créé les cieux et la terre ne sera-t-il pas capable de créer leur pareil? Oh que si, il est le grand, grand créateur. Non. C'est-à-dire, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il veut dire que les cieux et la terre, leur création est beaucoup plus difficile que la création de l'être humain. L'immensité des creux des cieux et de la terre, subhanallah, les cieux et la terre, le Seigneur a pu les créer. Comment il ne peut pas créer quelque chose de plus simple? Comment se comparer? Comment on va les créer? Comment ne peut-il pas créer l'être humain? C'est pour ça qu'il a dit dans son Rafer, verset 57. Surat Rafer, verset 57. Il a dit: La khalqu samawati wal ardi akbar min khalqi an-nas, walakin akthar an-nas la ya'lamun. La création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grand que la création des gens, mais la plupart des gens ne savent pas. Non. La création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grand que la création des gens, mais les gens ne savent pas. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La création des cieux et de la terre est la création des gens. Ne savez-vous pas que, puisqu'il a pu créer les cieux et la terre, il peut vous créer vous? Imaginez les cieux. Les cieux. Quand on lève la tête en été, par exemple, il y a des étoiles. Quand on voit une étoile, pour nous, on dit par exemple qu'elle est loin de l'autre de quelques centimètres, pour nous, quand on voit dans le ciel, tellement à des étoiles. On dit celle-là, elle est loin de l'autre de peut-être quelques centimètres. Alors qu'elle est loin de combien? Elle est loin de milliards de kilomètres. Et l'étoile la plus petite, car elles ont des tailles, la plus petite est, je ne sais pas combien de millions de fois plus grande que la Terre. L'étoile la plus petite. Alors imaginez quand vous voyez le soleil, à la fois le ciel, plein d'étoiles. Combien doit être la grandeur du ciel? Imaginez, entre une étoile et une étoile, il y a des milliers et des millions de kilomètres. Ça, c'est entre l'étoile qui nous envoie, on voit qu'il y a quelques centimètres entre celle-là et l'autre. Qu'en est-il que de l'étoile qui est là, au-dessus de ma tête, et d'autres étoiles qui est en Russie ou là, à la fin du monde là-bas? Combien il y a de kilomètres entre cette étoile et cette étoile? Qu'est-ce qu'il y a dans les cieux comme soleil, comme astre, comme étoile, comme comète, comme des millions de choses que vous savez que jusqu'à présent, nous les gens, les savants de qui regardent dans les cieux, etc. J'ai oublié comment ils s'appellent, les astrologues. Je crois que ce sont les astrologues. Jours et nuits, ils passent leur temps à inspecter les cieux. Ils n'arrivent pas de s'étonner à s'étonner. Ils n'arrivent pas, yani, à chaque fois qu'ils regardent, il y a quelque chose de nouveau. C'est pour ça que tout ce qu'ils ont découvert jusqu'à présent, ils n'ont découvert que une goutte d'eau dans l'océan. Je vais au bord de la mer et je prends une petite cuillère, la petite cuillère, celle du café, et je la remplis. Non. En la remplissant, c'est la science qu'on a maintenant par rapport, comparé là, par rapport à ce qui reste dans l'océan, à ce qui reste comme eau dans l'océan. Non. Enfin, pour terminer,
Non, pour terminer, les astronomes, voilà. Les astronomes, j'ai dit des astrologues, les astronomes. Non. Lakin, je crois que les astrologues, Wallahu alam, ce sont ceux qui parlent de yani, la pluie va tomber, ne va pas tomber, etc. On les appelle astrologues. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Et astronome, c'est ce que tu as dit toi. Wallahu alam. Ça vérifie. Dernier point, sa sagesse. Azzawajal apparente à chacun et démontrée dans les êtres est claire pour celui qui observe attentivement et dépouille sa logique de tout entêtement et passion. Le sage n'est point tel à laisser les gens sans obligation à observer ni à les créer futilement sans qu'ils ne reçoivent d'ordre ou d'interdiction ou soient rétribués en fonction de leurs actes. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Al-Mu'minun 115-116, il a dit, Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna naturja'un? Pensez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne serez pas ramenés vers nous? Fata'ala Allahu al-Malik al-Haq. Que soit exalté Allah, le vrai souverain. C'est-à-dire, vous pensez que tout yani cet univers, avec sa complexité, sa beauté, avec les arbres, les montagnes, les fleuves, les mers, les fleurs, les poissons, les différentes sortes d'animaux, tout ce qu'il y a. Vous croyez que ça a été créé comme ça, yani, sans but? Pensez-vous que nous vous avons créé sans but? C'est juste pour manger, boire et dormir, et se marier, ou faire le haram, ou là? Et ensuite, devenir poussière et partir. Ou X, il est mort. C'est terminé. Il est devenu poussière. Il était avec nous hier, il est parti. Où il est parti? Vers l'inconnu. Il est devenu poussière. Vous pensez que c'est logique ça? C'est logique? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il a dit dans Sourate Dukhan, verset 38-39. Sourate Dukhan, verset 38-39. Il a dit, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Ce n'est pas par divertissement que nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux. Non. مَا خَلَقْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقَّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Nous ne les avons créés qu'en toute vérité. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Non, la méditation sur cet univers fascinant nous montre, en plus de la grandeur de la connaissance d'Allah et de son immense pouvoir, nous montre sa sagesse parfaite. En effet, il n'a pas laissé le faible être opprimé par le fort sans qu'il n'y ait de réprimande. Et il n'a pas laissé ce qui dévie du droit chemin sans qu'il ne connaisse le châtiment qu'il mérite après cette vie. Il ne délaisse pas non plus ceux qui se sont consacrés à œuvrer pour satisfaire leur Seigneur sans même savoir, de par la grâce d'Allah et son bienfait sur eux le jour dernier, que ce qu'ils ont sacrifié comme bien et ont enduré comme peine dans leur vie n'est qu'une chose insignifiante à côté de ce qu'ils trouveront demain comme rétribution et bienfait dans un paradis contenant ce qu'aucun œil n'a vu, qu'aucune oreille n'a entendu et qui n'est venu à l'esprit de personne. Si les gens méditent sur les lois universelles d'Allah, Azza wa Jal, l'immensité de sa sagesse ainsi que sa généreuse sollicitude envers l'homme et l'honneur qu'il lui accorde, cela les poussera à avoir foi au jour dernier. Ainsi, il n'y aurait plus d'égoïsme ni de ruée sur la vie, mais plutôt l'entraide dans le bien et la piété. Voilà, inshallah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Le prochain cours, inshallah ta'ala, on parlera de les noms du jour de la résurrection. Yom al-Qiyama, quels sont ces différents noms, bi'idhnillahi ta'ala, et si on peut, on rentrera, inshallah ta'ala, dans le premier cours
c'est-à-dire le premier signe des signes de la fin des temps. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Préparez, inshallah ta'ala, vos questions. Donc, première question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikhana, hafizakum Allah wa ahsan Allah ilaykum. Est-ce que l'on peut dire d'une personne qui vit toujours dans le péché qu'elle ne croit pas vraiment au jour dernier? Et comment conseiller une telle personne? Barakallahu fikum. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Cheikh, je voudrais savoir comment faire le lien entre le fait qu'aucun œil n'a vu le paradis et le fait que notre père Adam alayhi salam et notre mère Hawa alayhi salam étaient dans le paradis avant d'en être expulsés pour avoir mangé de l'arbre interdit. Barakallahu fikum. Une suggestion chère, pourriez-vous faire les cours sur le fatwa al-Hamawiyya prochainement inshallah, car je n'ai jamais trouvé de traduction en français. جزاكم الله خيرا بور تو يا شيخ. تفضل شيخ. نعم ان شاء الله تعالى جو موتوندي ان شاء الله تعالى quand on terminera ce livre qu'on vient de commencer aujourd'hui باذن الله تعالى rappelez-moi ان شاء الله تعالى si vous voulez on va étudier يعني العقيده الحمويه. نعم on va étudier le livre de ابن تيميه رحمه الله qu'il a envoyé à Hamet pour yani, le répondre à leurs questions dans la Aqida. Comme le Wasitiya, il a envoyé à Wasit et le Marrakechia à Marrakech. Et comme ça. Donc, à chaque fois, donnez-moi deux questions, inshallah ta'ala, à la fois. La première, je l'écris. Et la deuxième, j'y réponds directement. La première, je l'écris pour ne pas oublier. Et la deuxième, j'y réponds directement. Pour la première, quelqu'un qui vit dans le péché, peut-on dire de lui qu'il ne croit pas? Non, on ne peut pas dire de lui qu'il ne croit pas. Pourquoi? Car il est possible d'être croyant tout en passant toute sa vie dans les péchés. Être croyant. Et quoi? Et en même temps, passer sa vie dans les péchés. Bien sûr, en faisant bien sûr aussi des obéissances. Des obéissances. Regardez la personne qui a tué 100 personnes. Tuer 100 personnes, elle ne les a pas tuées peut-être en un jour. Et quand même, elle est morte. Et ce sont les anges du paradis qui l'ont accueillie. Comme vous connaissez tous le hadith authentique. L'essentiel, c'est quoi? C'est de ne pas renier le caractère religieux du péché. Non. Si tu renies le caractère religieux du péché, tu dis que ce péché n'est pas interdit, ça veut dire là tu as renié le caractère religieux du péché. Tu as dit par exemple la bière c'est pas interdit, là tu es devenu kafir. Tu as dit la drogue c'est pas interdit, la zina c'est pas interdit, tu es devenu kafir. Mais par contre si tu fais la chose en reconnaissant que c'est interdit, tu as fait deux choses. C'est quoi les deux choses? D'un côté, tu as fait une chose obligatoire, qui est reconnaître le caractère religieux de l'obligation du péché. Tu as reconnu que ce péché est interdit. Déjà, le fait de reconnaître, tu as des récompenses. Tu as attesté dans ton cœur que telle chose, Allah Ta'ala l'a interdite. Déjà, pour cela, tu as des récompenses. Et ensuite, pour avoir transgressé et fait le péché, tu as quoi? Tu as des péchés. Et la même chose pour la chose obligatoire. Quand tu dis, tu reconnais avec ton cœur que telle chose est obligatoire, ça veut dire déjà tu as fait quelque chose. Et quand après tu fais pas la chose obligatoire, tu auras des péchés. C'est pour cela, car c'est important cette question. C'est pour cela. Je redis ce que j'ai dit plusieurs fois, mais c'est un exemple qui me plaît beaucoup. Si une femme va dire je ne reconnais pas le statut du voile en islam, c'est pas obligé de se voiler, et ensuite
elle va mettre le jilbab. Elle met le jilbab en disant cette chose. Non. Si elle meurt, elle meurt kafira. Elle rentrera éternellement en enfer. Alors qu'elle a mis le jilbab, ça. Mais le plus important, c'est quoi? C'est ce qu'il y a dans le cœur. Elle n'attestait pas. Elle n'attestait pas l'obligation de porter le voile. Elle l'a renié. Donc elle est kafira même si elle met le voile. Et le contraire, et le contraire. Celle qui met la mini-jupe, elle met la mini-jupe et elle dit, je reconnais que le voile est obligatoire en islam. Mais, entre parenthèses, pour différentes raisons, elle ne l'a pas mis. Pour différentes raisons. Elle est complexée, elle n'a pas le temps. Elle dit, demain, quand je me marie, quand je vais au hajj, ça c'est entre elle et son seigneur. Mouhim, elle a reconnu le caractère obligatoire du voile et elle ne l'a pas mis. Celle-là, c'est une croyante. Celle-là est une croyante, mais qui a fait un grand péché. Donc vous voyez, celle-là, elle est avec la mini-jupe, et l'autre, elle est avec le djilbab. Celle-là, c'est une croyante, l'autre, c'est une kafira. Dans Sahih al-Bukhari, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, trois fois, on lui a ramené quelqu'un sous, qui buvait de l'alcool, trois fois. Et malgré cela, chaque fois qu'il le... Il lui donnait châtiment et il n'a pas permis à Khalid ibn Walid de quoi? De c'est pas de l'injurer, de le maudire. Il a dit, ne dis pas ça de lui. Hein? C'est quelqu'un qui aime Allah et son prophète. Il a dit de qui? De quelqu'un qui boit de l'alcool. Il a dit, celui-là, c'est quelqu'un qui aime Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. Il n'aime pas, ça veut pas dire qu'il aime Allah et son prophète parce qu'il a bu. Non. Car c'est un compagnon et le prophète alayhi wa sallam. C'est de lui que c'est un croyant. C'est un croyant qui fait des erreurs. Celui-là, il a bu, Maïz, radiallahu ta'ala, il a fait la zina, Mistah, il a colporté Aïcha, et comme ça. On peut être musulman, croyant, et faire de grands péchés. Et faire de grands péchés. Nul n'est exempt, sauf les messagers, alayhim, salatu salam. Le Mouhim, elle a dit, j'ai précisé en question, qu'elle ne croit pas vraiment au jour dernier. Il n'y a pas ne pas croire vraiment. Il y a croire ou ne pas croire, c'est tout. Si la personne croit au jour du jugement dernier, nam, ça veut dire c'est une croyante, si elle remplit bien sûr les autres conditions. Si elle doute, elle ne croit pas vraiment, elle n'est pas quoi? Elle n'est pas croyante, même si elle a quelques doutes seulement. Un doute sur 100, elle n'est pas croyante. Il faudrait avoir l'yakin, la conviction que demain, je vais être ressuscité et je vais rencontrer Allah Ta'ala. Et il y aura paradis en enfer. Pour avoir la certitude. Je peux jurer sur Allah Ta'ala le Tout-Puissant qu'il y a cela. Je peux jurer par Allah le Tout-Puissant que ma femme est divorcée s'il n'y a pas cela. Je n'ai pas un brin de doute. C'est comme ça qu'il faut, Inch'Allah Ta'ala. C'est pour la première question que j'avais écrite. Mais là, j'ai fait une fausse laquelle. Je devais commencer par la deuxième que je n'ai pas écrite. Car la première, elle est écrite. Normalement, je commence par la deuxième pour ne pas l'oublier. Ensuite, je vais vers la première question. Donc, je vous donne le micro. C'était quoi la deuxième question, Inch'Allah? Je la répète, cher. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya cher. Je voudrais savoir comment faire le lien entre le fait qu'aucun œil n'a vu le paradis et le fait que notre père, Adam, alayhi salam, et notre mère Hawa, alayhi salam, était dans le paradis avant d'en être expulsé pour avoir mangé de l'arbre interdit. Barakallahu fikoum. Tfadal cher. Naam, en fait, il y a en islam quelque chose qui s'appelle, entre autres, bien sûr, qui s'appelle Al-Am alladhi urida bihi al-khusus. Al-Am alladhi urida bihi al-khusus. Et non pas Al-Am al-Makhsus. Ça veut dire ça quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire en islam, il y a entre autres, parmi les règles qu'il y a, la règle qui dit que des fois il y a des choses qui, en l'apparence de la vie, donnez un exemple. Lorsque Allah Ta'ala dit dans le Coran, il a dit Khaliqu kulli chose. Est-ce que quelqu'un va dire, donc il s'est créé lui aussi? Lui aussi s'est créé? On va dire non, Allah Ta'ala ne parle pas de lui. Lui, exception, il ne s'est pas créé.
Lorsqu'Allah Ta'ala dit dans le Coran, en parlant du vent qu'il a envoyé comme châtiment, il a dit, tudammiru kulla shay'in bi'idni rabbiha. Elle détruit toute chose avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala a bien dit quoi? Allah Ta'ala a bien dit que ce vent-là qu'il avait envoyé, il a dit, tudammiru kulla shay'in. C'est-à-dire, elle détruit toute chose. Toute chose. Est-ce que ce vent-là a détruit les cieux? Est-ce qu'il a détruit les terres? Est-ce qu'il a détruit les montagnes? Il a détruit les mers? Non. Donc, détruit toute chose, c'est-à-dire toute chose capable d'être détruite par un vent. Capable d'être détruite par un vent. C'est comme lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, a parlé de Bilqis. Bilqis. L'oiseau, le houdhoud, la huppe, qu'est-ce qu'il a dit? Inni wajidtu mra'atan. J'ai rencontré une femme, j'ai découvert une femme qui l'est commandée. Wa utiyat min kulli shay. Et elle a de toutes choses. Elle a de toutes choses. Est-ce que dans toutes choses ici, elle a par exemple les ordinateurs, elle a les avions, elle a les fusées? Non. Mais elle a de toutes choses qu'un roi ou qu'une reine peuvent avoir. Ici, quand Allah Ta'ala a dit, ou le prophète sallam, aucun œil n'a vu ni l'idée, ni n'en a eu l'idée, ni n'a entendu avec son oreille. Il parle de tous les gens, sauf Adam et Hawa. Il ne parle pas d'eux. À part cela, il pourrait les faire sortir, car ça rentre dans la règle que j'ai citée tout à l'heure, l'âme le morceau. Ça veut dire que, à part ces deux-là, personne ne peut savoir ce qu'il y a dans le paradis, ni voir, ni avoir écouté. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Atfadhal. Non, donc question suivante. Salam alaykoum, cher. Le croyant vit entre la crainte et l'espoir en Allah. Pourriez-vous expliquer ces deux termes et ce que cela implique? Question suivante. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais savoir s'il y a des preuves sur le fait que certains mécréants sortiront de l'enfer un jour. Tfada, cher. Donc je commence Allah Ta'ala par la deuxième question. Il n'y a aucune preuve attestant que le jour de la résurrection, il y a un mécréant qui pourra sortir de l'enfer. Et toute personne qui dit cela a contredit le Coran, les hadiths et a contredit tout l'islam. Le Coran a cité plusieurs versets où il a dit. Et ils n'y sortiront jamais. Et à chaque fois qu'ils veulent sortir d'elle, c'est-à-dire de l'enfer, ils y retourneront. Et comme ça. Plein de versets, plein de hadiths que jamais un mécréant ne sortira de l'enfer. Si quelqu'un va dire, il y a un mécréant qui va sortir de l'enfer, hein? Celui-là, c'est un grand jahil, pour ne pas dire il est devenu kafir. La moindre des choses, c'est de dire de lui, c'est vraiment un jahil. Mais si après les ulama lui disent, attention, tu as dit le contraire de ce qu'a dit le consensus de tous les croyants. Et malgré cela, il va dire non. Il y a quelqu'un qui va sortir, dans ce cas, il devient kafir. Dans ce cas, il devient kafir. Ça, c'est pour la deuxième question. Mais ce qu'il y a par contre, ce qu'il y a, c'est seulement l'oncle du prophète, alayhi Abu Talib, qui est mort kafir. Celui-là, le prophète, alayhi va lui faire une intercession et le faire sortir et faire de sorte que il sera, bi'idhni ta'ala, parmi les mécréants, celui qui subira le moindre châtiment en enfer. Car en enfer, c'est des degrés. C'est des degrés. Celui qui subira le plus petit châtiment de l'enfer, qui entre parenthèses, est très grand et très difficile, celui-là, c'est l'oncle du prophète, tellement il a aidé le prophète, mais dommage pour lui, il est mort kafir. Donc on prend de là quoi? Qu'est-ce qu'on va prendre de ça aussi?
on va prendre la grande équité, et justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. La grande justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es kafir, mécréant. Mais tu as aidé l'islam, tu as voulu faire quelque chose en islam, tu as fait quelque chose pour les musulmans, pour le prophète islam. Tes actions ne seront pas vaines. Tu es kafir, mais quand même Allah subhanahu wa ta'ala va accepter l'intercession de son prophète alayhi salatu wasalam pour yani, lui minimiser le châtiment comme j'ai dit. Ça c'est la deuxième question. Pour la première question, c'est comme a dit celui qui a posé la question. On doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec crainte et espoir. Avec crainte et aussi espoir. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Anbiya, il a dit فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, c'est-à-dire Zakaria quand il a demandé à Allah ta'ala de lui donner un enfant. Il a dit فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, on lui a exaucé son vœu. وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَا, on lui a donné Jean. وَاصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ, et on lui a, disons, réparé, si je puis dire réparé, son épouse. Ensuite, il a dit, en parlant des pieux et des messagers, qu'est-ce qu'il a dit? Innahum kanu yusari'una fil khayrat. Ils se hâtaient, se précipitaient vers le fait de faire le bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faisait? Wa yad'unana raghaban wa rahaban. Et il nous faisait des invocations. Raghaban wa rahaban. Raghaban, c'est-à-dire avec crainte. Afwan, c'est-à-dire avec espoir. Et rahaban, avec crainte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le musulman, il va vers Allah subhanahu wa ta'ala toujours avec deux ailes. Deux ailes. Est-ce qu'un pigeon ou bien un oiseau peut voler avec une aile? C'est impossible. Donc il faut deux ailes. Le musulman vole, si je puis dire, vers Allah avec deux ailes. Une aile où il y a de l'espoir, une aile où il y a de la crainte. S'il y avait seulement de l'espoir, tu ne vas plus avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas faire le haram. Tu fais la zina, tu dis oh Allah subhanahu wa ta'ala est ghafur rahim. Tu voles, tu dis oh Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tu fais de la médisance, tu dis oh Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le très miséricordieux. Si c'est le contraire, si tu marches seulement avec quoi? Avec la crainte. À chaque fois que tu vas faire une bonne action, tu vas dire mais Allah ta'ala, sûrement qu'il n'a pas accepté de moi. Mais Allah ta'ala, son châtiment, c'est le plus douloureux. Donc, yani, même si j'ai fait une bonne action, mais je suis sûr qu'il va me jeter en enfer. Et comme ça. Donc, tu ne pourras jamais faire de bonnes actions, tu vivras toujours stressé. Donc, le vrai musulman marche avec les deux. Il a l'espoir, hein, que ce qu'il fait va être accepté de lui et que Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner ses péchés et qu'il va le faire entrer au paradis. Et il a la crainte. De quoi? La crainte que il est possible que ce qu'il fait n'est pas toujours accepté. Il est possible qu'il ne va pas rentrer directement au paradis et qu'il passe par l'enfer. Cette crainte-là va le pousser à faire toujours du bien. À faire toujours du bien. Et les savants disent, quand on est dans le péché, par exemple, il faut avoir quoi? Il faut avoir l'espoir. Ils ont dit surtout quand c'est quoi? Quand c'est avant de mourir. Ils ont dit surtout avant de mourir, il faut avoir quoi? L'espoir qu'on va aller au paradis, etc. Car si avant de mourir, tu vas dire que moi je vais aller direct en enfer, donc tu as contredit le hadith où Allah subhanahu wa ta'ala a dit que je suis d'après ce que mon serviteur pense de moi. Tu penses de lui qu'il va te jeter en enfer, donc tu n'as pas donné la vraie yani, disons la valeur. Tu ne connais pas vraiment Allah subhanahu wa ta'ala dans sa vraie valeur. Non. Tu es un croyant, tu n'as fait que du bien, tu penses qu'il va te jeter comme ça en enfer. Subhanallah l'adhim. Ils ont dit comme ça, ils ont dit, et dans la, donc ça c'est avant de mourir. Ils ont dit, mais dans la vie en général, il faut yani, faire pencher un peu plus aussi la crainte. Pourquoi? Pour que tu travailles, pour que tu fasses des actions. Tu as toujours un peu plus peur. Un peu plus peur, non. Donc c'est des cas, des fois c'est celui-là, des fois c'est celui-là. Mais on ne peut jamais
adorer Allah subhanahu wa ta'ala seulement avec la crainte ou seulement avec l'espoir. Question suivante, Inch'Allah. Et avant cela, cher, je vais passer un message parce que je viens d'avoir une question sur le site. Donc, une sœur qui est nouvelle. Donc, déjà, bienvenue à tous, vous tous qui êtes nouveaux. Concernant les questions, lorsque vous les posez sur le site, il ne faut pas forcément qu'elles soient en rapport avec le cours. On passe d'abord en. Les questions privilégiées sont celles qui sont en rapport avec le cours. Et après, ce sont les questions d'ordre général. Donc pour répondre à sa question, il n'y a pas de problème, elle peut poser sur le site une question d'ordre général, et Inch'Allah, si son tour vient, elle sera posée. Question suivante, cher. Salam alaikum. Un frère m'a informé qu'il y a quelque temps, il y a eu une fumée épaisse vers la région du Yémen. Il voudrait savoir si cela fait partie des signes de la fin des temps. Question suivante. Salam alaykoum wa rahmatullah. Hafizakoum Allah, cher. Il m'arrive souvent de penser que ce n'est pas la peine de penser au jour du jugement, car de toute manière, je ne pourrai jamais l'imaginer de la même manière que l'on ne peut pas imaginer le paradis ou l'enfer. Simplement, en ce qui concerne le fait de ne pas pouvoir imaginer le paradis, nous avons des textes, mais pour le jugement, je ne sais pas. À cause de cela, j'ai souvent des waswas en pensant que tout ceci n'est qu'insufflation satanique, afin d'innover dans la aqida. Dites-moi ce qu'il en est et conseillez-moi qu'Allah Ta'ala vous récompense largement. Barakallahu fikoum. Tfadal cheikh. Pour la fumée du Yémen, là, il n'y a aucun délit, Inch'Allah Ta'ala, qui dit que ça fait partie des signes des temps. Alors vous allez voir, Inch'Allah Ta'ala, dans les prochains cours, les signes des temps, bi'idhnillah Ta'ala, et que ça ne ressemble pas exactement à ce que la fumée dont a parlé le frère. Ensuite, aucun savant de nos jours n'a dit que cette fumée fait partie des signes de la fin des temps. Pour la deuxième question, la personne, dis-moi, parce qu'il y avait des coupures musulmanes, dis-moi si j'ai bien compris. Elle a voulu dire à peu près en ce sens qu'elle ne pensait pas beaucoup à l'au-delà parce qu'elle ne connaissait pas bien ces détails, alors que par exemple le paradis, ou là même l'enfer, Allah, il y a des détails. Est-ce que c'est ce qu'elle a voulu dire? J'attends la réponse. Seulement, en ce qui concerne le fait de ne pas pouvoir me brûler, nous avons des textes, nous produisons une enquête. Jazakallah khair al-Muslim, si tu peux me parler avec le micro pour me dire ce que tu as compris, car je n'ai pas compris ici. Ici, il y a une négation. Seulement, en ce qui concerne le fait de ne pas pouvoir imaginer le paradis. Donc, celle-là, elle n'imagine pas le paradis ou bien elle l'imagine. Très mal. Non, elle n'imagine pas. Allah, dans cette phrase, cher, je comprends qu'elle n'imagine pas. Tafadal, cher. Et si la personne est sur le salon, qu'elle aille voir directement le frère Ibn Mustafa pour donner les détails sur la question. Le frère Ibn Mustafa. Tafadal, cher. Écoute, dis-moi seulement une chose, Barclay. Est-ce qu'elle veut dire? Est-ce qu'elle veut dire que pour le paradis, par exemple, il y a des textes? Il y a des textes, donc on peut comprendre ce qu'il y a dans le paradis. Et pour le jour du jugement ou le jugement, il n'y a pas de texte. Est-ce que c'est ce qu'elle a voulu dire? Non, cher, moi c'est ce que je comprends. Walakin, je ne sais pas si c'est ce qu'elle veut dire. Moi, de ce qu'elle a écrit, c'est ce que je comprends. Donc, Inch'Allah, si la sœur est présente, on lui demande de préciser au frère Ibn Mustafa. Elle dit, je n'arrive pas à imaginer le jour du jugement. Tfadal, cher. Ça y est, vous m'entendez? Alhamdoulilah. Le jour du jugement, là, peut-être, Wallahu alam, il y a tellement de textes sur le jour du jugement que peut-être que cette personne, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne les a pas lus. On n'a pas lu, on n'est pas tombé sur des textes qui parlent du jour du jugement, qui parlent de la balance, qui parle du livre qui va être ouvert, qui parle des dialogues qui va y avoir entre le pécheur et le subhanahu wa ta'ala, ensuite entre le pécheur et les anges.
qui part du bassin, le Haoud, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la vague céleste avec sa grandeur, sa longueur, sa largeur, son eau, comment qu'elle est, à quoi elle ressemble, les nombres des récipients qu'il y a. Tout ça, c'est quoi? Le soleil, combien qu'il va descendre, comment qu'il va descendre, jusqu'à quelle limite les gens, comment qu'ils seront, qu'est-ce qu'ils vont faire chez Adam, ensuite chez Noé, chez Ibrahim, et comme ça, chez tous chez les 6 ou 7 messagers. Donc il y a beaucoup, beaucoup de quoi? Beaucoup de textes dans le jugement dernier, ce qui va se passer en détail, en détail, et bien sûr, chacun va imaginer d'après les textes. Quand il y a un texte, on va imaginer d'après chacun comment il imagine, même si le texte est toujours le même. Pourquoi? Car on n'a pas vu encore de nos propres yeux. On a beau imaginer le bassin, comment qu'il est beau, les récipients, comment qu'ils sont beaux, etc. Mais c'est pas comme lorsque tu verras de tes propres yeux. C'est un peu aussi comme le paradis. On te dit maintenant dans le paradis que, par exemple, un grain de raisin. Je ne parle pas de la grappe. La grappe de raisin comprend, par exemple, 10 ou 15, ce qu'on appelle grain de raisin. Habba. Ils disent, Habba, Habba seulement, raisin, un grain, il faut par exemple un âne pour pouvoir l'apporter. Imaginez, le melon, la pastèque, c'est beaucoup plus grand. Il faut un âne pour pouvoir la transporter, par exemple. Donc, c'est des choses que tu imagines à peu près, mais il faut les voir pour que la chose concorde, pour que la réalité concorde avec ce que tu as dans la tête ou dans le cœur. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est d'y croire et de dire, je crois que je suis sûr et j'atteste qu'il y a telle et telle chose dans le paradis, telle et telle chose en enfer, telle et telle chose le jour du jugement dernier, et comme ça, bi'idhnillahi ta'ala. Ça y est. Inch'Allah, pour les deux autres questions. Ensuite, je dis à cette personne, ce n'est pas très important d'imaginer ou pas. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est d'œuvrer. D'œuvrer. De faire des efforts, des actions, pour les rencontrer ces actions demain et les voir, bi'idhnillahi, subhanahu wa ta'ala. C'est bien certes de commencer à l'au-delà le jour du jugement dernier pour que ça nous pousse, ça nous exhorte à faire des actions. Mais ça ne veut pas dire que je dois connaître tous les détails comme ça, comme si je les avais vus. Car c'est une chose impossible, bi'idhnillahi ta'ala. Pardon. Donc, question suivante. Assalamu alaikum. Jazakumullah wa khairan, cher, pour le temps que vous nous accordez. Qu'Allah vous le bénisse. Pouvez-vous nous donner, avec les arguments de chaque avis, quel sera le premier des grands signes de la fin des temps? Question suivante. Assalamu alaikum. Comment se passe l'intercession bi'idhnillah des enfants morts en bas âge pour leurs parents? Et est-ce que les enfants morts en bas âge sont admis dès à présent au paradis? Barakallahu fikoum. Tfadal cher. Akh Mohamed, est-ce qu'il y a des coupures chez toi, akhi? Non, donc cher, je pense, je répète, inshallah. Première question. Inshallah cher. Pouvez-vous nous donner, avec les arguments de chaque avis, quel sera le premier des grands signes de la fin des temps? Question suivante. Comment se passe l'intercession, bi'idhnillah, des enfants morts en bas âge pour leurs parents? Et est-ce que les enfants morts en bas âge sont admis dès à présent au paradis? Tfadal cher. Comment se passe l'intercession bi-idhnillah des enfants morts en bas âge pour leurs parents? Ces enfants morts en bas âge sont déjà au paradis. Pour les grands signes, Inch'Allah ta'ala, pour les grands signes, il y a quoi? Il y a une divergence. Non, une divergence entre les savants sur c'est quoi exactement le grand signe. Et chacun, Inch'Allah ta'ala, a donné, bien sûr, c'est quoi le grand signe avec son délire. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a cité les grands signes, ou alors les 10, il n'a pas donné, c'est-à-dire il ne les a pas
mis dans l'ordre chronologique. Non. Mais il les a cités comme ça dispersés. Parce qu'il a cité la fumée et le fomici, la bête, le lever du soleil son couchant, la descente de Issa, allez salam, Gog et Magog, les trois engloutissements. Non. Et ensuite, il a cité aussi la fumée qui sortira du Yémen. Mais il n'a pas cité, il n'y en est pas ordre. Ces 10-là ne sont pas en ordre, quoique, beaucoup ont dit que la fumée citée ici dans ce hadith, c'est bien la dernière. Car c'est elle qui va pousser les gens à se regrouper. Et beaucoup ont dit aussi quoi? Que le soleil qui va se lever du couchant, que c'est lui aussi le premier à venir. Pourquoi? Car le verset aussi a dit que quand ils verront, que lorsque viendra le premier des grands signes, que aucune foi ne sera acceptée, ni les belles actions, ni les bonnes actions, et que beaucoup ont pris yani, que le premier délit ou le premier signe, c'est le soleil. Wallahu ta'ala alam. Mais inshallah ta'ala, dans les prochains cours qui vont venir, puisque nous avons commencé le livre des grands signes, on verra inshallah ta'ala dans ce livre quel est, d'après cet auteur, quel est le premier et dernier signe avec les Adillah, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Pour l'intercession des enfants morts en bas âge pour leurs parents, naam, yani comme dans le hadith authentique, que toute femme qui perd trois enfants ou bien deux, naam, et qui patiente, bi'idhnillahi ta'ala, patiente pour eux, que yani, cette femme, yani, que ses enfants vont intercéder pour elle et que les enfants ne vont pas rentrer au paradis jusqu'à ce qu'ils fassent rentrer avec eux leur mère ou leurs parents. Et les Sahaba ont dit, si on avait demandé au prophète alayhi et un enfant, car il a cité trois et deux, ils ont dit, et si on avait posé on avait dit un enfant, il aurait dit oui aussi, même un enfant. Quant à où est-ce qu'ils sont maintenant, ils sont comme dans le hadith de Sahih Bukhari, chez Ibrahim alayhi salam, notre père Ibrahim alayhi salam, qui est maintenant, au moment où je suis en train de vous parler, adossé. Adossé à quoi? À la Kaaba du ciel, qui s'appelle Bayt al-Ma'mour, la Kaaba du ciel. Vous savez que il y a une Kaaba au ciel et une Kaaba sur la terre. Et ils disent, Allahu alam, que elles sont l'une sur l'autre. C'est-à-dire, si quelqu'un tombait de la Kaaba qui est au ciel, il va tomber sur la Kaaba qui est en bas. Al-Muhim. Donc, il est adossé à la Kaaba, Bayt al-Ma'mour, en train de faire apprendre le Coran aux enfants qui sont morts à bas âge, en bas âge. Et le hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari. Donc, pour ceux et celles qui ont perdu un enfant à bas âge, c'est une ni'ma qu'il soit où, hein, qu'il soit entre les mains de Ibrahim alayhi salam, en train d'apprendre le Coran. Regarde cette grande ni'ma. Alors que pour les mécréants, il est devenu poussière. Ils sont du matin au soir en train de pleurer, de crier et de se gifler, je ne sais pas de quoi faire. Pourquoi? Pour eux, c'est terminé, ils ne vont plus le voir. Il est parti en poussière. Pour nous, regarde la ni'ma. Ni'ma. Quelque chose, une rahma qui descend sur ton cœur. Masha'Allah, mon fils, je vais le voir encore une fois. Et une fois, yani, une dernière fois qui n'aura pas de fin. Et maintenant, il est chez Ibrahim, alayhi salam, en train d'apprendre le Coran. Masha'Allah, pour mon fils. Masha'Allah. Non, attends. Question suivante, cher. Salam alaikum. Vous avez dit que par ces deux-là, entre parenthèses, c'est-à-dire Adam et Hawa, personne n'a vu ce qu'il y a dans le paradis. Or, il me semble que de nombreux ahadiths rapportent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vu ce qu'il y a dans le paradis et a même presque saisi une grappe de raisin du paradis.
Pouvez-vous m'éclaircir, barakallahu fekoum? Question suivante. Assalamu alaikum, cher. Qu'Allah vous préserve ainsi que tous les musulmans. Cher, dans le cours, il a été dit que nous avons un livre attaché à notre cou, en référence à ce verset. Et au cou de chaque homme, nous avons attaché son œuvre. Sourate 17, verset 13. Est-ce une image? Quel est le tafsir de ce verset? Barakallahu fikoum. Tfadal, cher. Dans la première question, quand tu as voulu dire la chose la plus importante, il y avait des coupures, j'ai pas entendu. Quand tu as voulu dire, mais par contre, il y a, je ne sais pas quoi, ça s'est coupé. Donc, j'ai pas entendu. Voilà. Nous sommes nombreux à dire vu ce qu'il y a dans le paradis et même préciser un grave du raisin du paradis. Et la deuxième question, c'était quoi, Tfadbal? La deuxième question, c'était quoi, Tfadbal? Je répète, cher. Assalamu alaikum, cher. Qu'Allah vous préserve ainsi que tous les musulmans. Cher, dans le cours, il a été dit que nous avons un livre attaché à notre cou, en référence à ce verset. Et au cou de chaque homme, nous avons attaché son œuvre. Sourate 17, verset 13. Est-ce une image? Quel est le tafsir de ce verset? Barakallahu fikoum. Par rapport à est-ce une image, je pense qu'elle veut dire. Est-ce que c'est réellement un livre qu'on a et qu'on ne voit pas? Ou là, c'est juste de s'imaginer qu'en fait toutes nos œuvres sont attachées à nous. Wallahu a'lam. Tfadal, cher. Je dis à la personne, bi-idhnillahi ta'ala, que ce n'est pas une image, mais c'est une réalité. Non, ce n'est pas un exemple que Allah ta'ala a donné, ou une métaphore. C'est une réalité. Il faut attester qu'il y a un livre. Allah ta'ala a dit dans le Coran, wa kulla insan, chaque être humain, alzamnahu ta'ira fi 'unuqihi. On lui a mis un livre sur son cou. Il faut attester cela. Et le jour de la résurrection, on va lui sortir un livre qu'il va trouver ouvert devant nous. Donc il y a un livre, ce n'est pas une image, un vrai livre que nous on ne voit pas. Que nous on ne voit pas, sur lequel ou dans lequel les anges écrivent. Et ils écrivent avec la plume. Ils ont une plume avec laquelle ils écrivent. C'est pour ça que le hadith dit plusieurs fois Rufi al-Qalam an X ou Y. Rufi al-Qalam, ça veut dire la plume est levée. Donc pour qu'elle n'écrive pas sur celui qui n'est pas pubère, celui qui est fou, celui qui dort. Donc il y a une plume et il y a le livre. Ça, c'est pour la deuxième question. Pour la première question, qui a dit que le prophète Hassan a vu ce qu'il y a dans le paradis et a même presque saisi une grappe de raisin, je dis à cette personne que cette histoire-là où le prophète a voulu saisir une grappe de raisin ne s'est pas passée dans le paradis, mais s'est passée dans cette ville-là, dans une mosquée. Il était en train de faire la prière et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un aperçu sur le paradis. Et il a mis le paradis comme ça, en face de lui, ou dans la mosquée. Et il a dit, il lui a même aussi montré le paradis, le feu. Quand il lui a montré le feu, il est revenu en reculant au point où tous les autres sont revenus, en train de reculer, au point où ils allaient tous tomber l'un sur l'autre. Et quand il lui a montré le paradis, il est allé vers l'avant, et il a même hésité s'il devait prendre une grappe ou ne pas prendre. Non. Mais il n'a pas vu dans le sens où, duquel on voulait parler, duquel on voulait parler. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tfadlal. Ah, cher, on vient de me faire remarquer en PV et certaines personnes en fait n'ont pas réussi à retrouver le livre. Donc en effet, à la fin, il y a une erreur, c'est pas Webili, mais c'est Webil. Non. Barakallahu fiha à la sœur qui nous a fait la remarque en PV.
Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai beaucoup plus de crainte que d'espoir, ce qui me donne des crises d'angoisse et beaucoup de waswas sur mes adorations. Comment remédier à cela? Comment connaître mieux Allah dans sa miséricorde? Barakallahu fikoum wa jazakumullahu khayran. Qu'Allah vous préserve et vous raffermisse dans sa religion. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Hayakum Allah ta'ala, voici ma question. Un frère travaille en déplacement, en parcourant de grandes distances tous les jours. Fadal, cher. La première question, est-ce qu'elle a dit, j'ai pas bien entendu, est-ce qu'elle a dit que elle avait beaucoup plus de crainte que d'espoir? Est-ce qu'elle a dit ça? Est-ce qu'elle a dit qu'elle avait beaucoup plus de crainte que d'espoir? Non. Donc la personne qui a beaucoup plus de crainte que d'espoir est une personne qui n'est pas équilibrée. Comme la personne qui a beaucoup plus d'espoir que de crainte est une personne qui n'est pas équilibrée. La personne qui a beaucoup d'espoir, beaucoup plus que la crainte, celle-là, elle va devenir dans la secte des Murji'a. Murji'a. Tu fais tout, c'est pas grave. L'iman se trouve dans le cœur. Et la personne qui va avoir beaucoup plus de crainte que d'espoir, elle peut finalement faire partie de la secte des Khawarij. Non. Pour eux, tu fais juste un péché, un grand, là tu es devenu kafir. Donc attention les péchés, attention. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il a dit, attendez, je cherche le verset. Oh, c'est pas ce verset, attendez, il y a un autre verset. Dommage, j'ai oublié le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit que yani, bon, je donne ça, ce verset lui ressemble. Inna alladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Il a dit les pieux, Allah ta'ala dit, les personnes pieuses, ce sont ceux qui, si jamais le shaytan les touche, soit en les mettant en colère, soit en les mettant dans les péchés ou là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rappellent. Et les voilà sur le droit chemin. Donc, il a dit d'un côté des pieux et de l'autre, il a dit le shaitan peut avoir une influence sur eux. Une colère, un péché. Donc, faire des péchés, c'est presque. C'est pas presque, c'est humain. Si quelqu'un va dire moi je fais jamais de péché, c'est-à-dire celui-là, il a prétendu être quoi? Être un ange. Même pas un messager. Les messagers font les petits péchés. Donc, il s'est imaginé comme un ange. Et le hadith est clair qu'Allah Ta'ala a dit que si jamais yani, vous ne faites pas les péchés, alors Allah Ta'ala va vous exterminer et faire venir un autre peuple, disons, qui vont faire les péchés, vont demander pardon à Allah Ta'ala, et Allah Ta'ala va leur pardonner. Donc l'essentiel, c'est de faire le possible pour ne pas faire les péchés. Mais si on fait, on est un être humain. Je demande à Allah Ta'ala Tout-Puissant de me pardonner, je mets dans mon cœur que je ne ferai plus, et je fais des doigts pour que je n'en fasse plus. Maintenant, si je retombe dans le péché, la même chose. Et comme ça, jusqu'à ce que je meure. C'est pour ça que le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le croyant, c'est comme il a ressemblé à un arbre, ou alors à un épi de maïs. Il a dit, quand il vient le vent, il le fait tomber. Quand passe le vent, il se relève. Contrairement au kefir, qui a été ressemblé à l'arbre qui s'appelle le pin ou le sapin. Aucun vent ne peut le faire bouger, jusqu'à ce qu'il soit déraciné. Déraciné, déracine, on lui enlève les racines, il n'existe plus. Donc nous, on tombe et on se relève, on tombe, il y a le vent, on tombe. Ensuite on se relève, on fait la touba, on demande à nous pardonner. Et comme ça, jusqu'à ce qu'on rencontre Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète, alayhi salam,
a dit dans un hadith rapporté par Sahih al-Albani, rahimahullah, Jami' Sahih du Sheikh al-Albani, rahimahullah, où il a dit que même un musulman, il n'y a pas un musulman ou bien mu'min, j'ai oublié, le doute vient de moi, musulman ou bien mu'min, il n'y a pas de musulman, de croyant qui ne fasse pas de temps en temps un péché. Et il y en a d'autres, il a dit aussi, qui ont un péché collé à eux jusqu'à ce qu'ils meurent. Malgré cela, c'est un musulman, c'est un croyant. Allah. Donc je dis à la personne qui a dit que elle avait beaucoup plus de crainte que d'espoir, attention, en exagérant sur le côté crainte, tu vas quoi? Tu vas peut-être tomber dans la peur, le stress, le désespoir, et peut-être, astaghfirullah, peut-être même tout quitter. Alors dire, place-moi, j'en peux plus, c'est très difficile. Hein? Tout ce que je fais n'est pas accepté. Moi, je suis en train de perdre le temps. Je vais laisser pour la prochaine fois. Non. Attention. Donc, il faut faire le possible, inshallah ta'ala, pour être équilibré. Et se dire que je ne suis pas un ange pour que je ne fasse pas de péché. Mon but, c'est d'adorer Allah. Ce n'est pas de faire des péchés. Mais malheureusement, on tombe dans les péchés. J'essaie au maximum de minimiser les dégâts. De minimiser les dégâts. J'ai mes passions, j'ai mes tentations, j'ai les shayatines, les vrais. Ensuite, j'ai les shayatines des êtres humains. Ensuite, j'ai mille et une choses qui essayent de me détourner, de me dévier. Je suis en guerre du matin au soir. Je suis en guerre. Un jour, c'est moi qui gagne, et un jour, ce sont eux qui me gagnent. Mais je fais mon possible pour que lorsqu'ils me gagnent, ils me gagnent seulement dans les petites choses, pas dans les grandes choses, pas dans le fait de boire l'alcool, la zina, le. Inch'Allah, dans les petites choses, de temps en temps, yani je dis un mot peut-être mal déplacé, de temps en temps je lance un regard de haram, de temps en temps, yani les petites choses, pas dans les grands péchés et les péchés capitaux, puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Je crois ou j'espère, Allahu a'lam, avoir répondu aux deux questions. Vous n'avez pas répondu, cher, à la deuxième. Un frère travaillant en déplacement en parcourant de grandes distances tous les jours est-il considéré comme un voyageur? Enfin, peut-il regrouper et rétrécir ses prières? Tfadashir. Cher. Naam, inshallah, tant qu'il est en voyage, tant qu'il est en voyage, il rétrécit ses prières. Tant qu'il est en voyage, il rétrécit ses prières jusqu'à ce qu'il rentre le soir ou le lendemain ou là à la maison. Reste une chose. Ça, c'est pour le raccourcissement des prières. Quant au groupement, le groupement des prières, sachez, barakallahu fikum, allamani Allah, sachez que le groupement des prières n'est pas une sunna du voyage. La sunna du voyage, en parenthèse, qui est une obligation, ou bien qui frise l'obligation, c'est de rétrécir les prières quand on est en voyage. Quant à grouper ou ne pas grouper, cela dépend de quoi? Cela dépend du besoin. Si on est dans le besoin de grouper, on groupe. Si on n'est pas dans le besoin, on doit faire chaque salat en son moment prévu. C'est pour cela que je dis, Mousseline, vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Car je viens de répondre et toi tu m'as posé la question. Donc je dis, c'est pour cela que il est possible que je ne voyage pas et que je groupe des fois entre deux salats. Comme il est possible que je voyage et que je ne groupe pas entre les salats. Pourquoi? Car des fois, je suis dans le besoin de grouper, même si je suis pas en voyage. Et des fois, je suis en voyage et je suis pas dans le besoin de grouper. Contrairement à quoi? Contrairement au rétrécissement et raccourcissement des salats qui est obligatoire dans le voyage, ou alors vraiment presque obligatoire. Non, mais en fait, cher, si j'ai recollé la question, c'est parce que le frère pose une question. Il dit, un frère travaille en déplacement en parcourant de grandes distances tous les jours. Et là, il demande, est-il considéré comme un voyageur? Et bon, Allahu alam, à celle-ci, en fait, vous n'avez pas répondu, cher. Donc, si j'ai pas répondu, c'est que vous m'avez pas entendu. Quand j'avais commencé par cela, j'avais dit que
tant qu'il n'est pas chez lui, qu'il est sorti, qu'il a fait une certaine distance, que même s'il n'a pas lui dans son intention que ses voyages, c'est un voyage maghrib. Ça n'a pas besoin de niya. La niya, c'est où? C'est quand je sors de chez moi. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, de chez moi, là où j'habite, par exemple, jusqu'à une ville, par exemple, qui s'appelle Hadjot. Hadjot. Il y a entre moi et cette ville 70 km. Donc moi, quand je sors d'ici et je sais que je vais aller à Hadjot pour des affaires ou pour acheter une chose ou je ne sais pas quoi, donc en route, en cours de route déjà, je commence à quoi? À raccourcir la salade. Maintenant, quand j'arrive là-bas dans la mosquée, je ne raccourcis pas, car je prie comme l'imam, Al-Mohim. Mais maintenant, si je vais sortir de la maison, pas avec la niya d'aller à Hadjot, qui est à 70 km, mais la niya d'aller juste ici, faire 5 km et acheter une chose. Quand je suis arrivé à l'endroit 5 km pour acheter la chose, on m'a dit, il n'y a pas, il faut aller à 10 km plus loin. J'ai été 10 km plus loin, je n'ai pas trouvé la chose. On m'a dit, c'est dans l'autre ville, à 10 km encore. J'ai fait encore 10 km, il n'y a pas, 10 km, il n'y a pas. Et à la fin, je me suis trouvé à Hadjot, à 70 km. Là-bas, je n'ai pas le droit de raccourcir la prière. Pourquoi? Pourtant, je suis à 70 km de ma ville. Mais quand je suis sorti de la maison, je ne suis pas sorti avec quoi? Avec la niya d'aller vers Hadjot, mais d'aller juste là chez moi à 5 km. C'est pour cela, ce n'est plus un voyage. Comprenez? Non. Pardon. Question suivante, cher. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lorsqu'une personne vend un bien immobilier à une personne qui achète par le biais d'un crédit bancaire avec intérêt, la personne qui vend l'aura-t-elle incité à faire ce crédit? Barakallahu fikoum, cher. Question suivante. Une sœur demande. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Je suis arrivé à terme de ma grossesse. Depuis quelques jours, je perds le bouchon muqueux. Suis-je en état d'impureté? De ce fait, dois-je continuer ma salat? Barakallahu fikoum, cher, ainsi que les admins. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter encore longtemps de cette ni'ma qu'est sa science. Amin. Tfadal, cher. Barakallahu fikoum pour les doigts et amin et pour vous de même, puisque Allah subhanahu wa ta'ala vous donner ce que vous m'avez demandé. Chose, la première question, je ne l'ai pas bien entendue et la deuxième, je ne l'ai pas comprise. Tu demandes c'est quoi le bouchon muqueux ou quelque chose comme ça. C'est la première fois que j'entends parler de ce mot pour que je comprenne bien et répète inshallah ta'ala la première question. Barakallahu. Donc la première question, lorsqu'une personne vend un bien immobilier à une personne qui achète par le biais d'un crédit bancaire avec intérêt, la personne qui vend l'aura-t-elle incité à faire ce crédit? Pour le bouchon muqueux, cher, Anna aussi, c'est la première fois que je vois ça. Alors, même, je ne connais pas ce terme et je ne sais pas si par là elle veut dire de perdre les os. Wallahu alam. Donc on demande à cette sœur d'apporter la précision au frère Ibn Mustafa. Tfadal, cher. Pour répondre à la première question, quand je vais vendre quelque chose, si je ne sais pas avec quel genre, quelle sorte d'argent, yani l'acheteur va acheter ma maison, je lui vends. Car je ne sais pas d'où il a ramené son argent, ni les intérêts, ou bien il a volé, ou bien il a escroqué quelqu'un. Ce n'est pas mon but de lui demander d'où tu as ramené l'argent. Ce n'est pas mes affaires. Mais si maintenant il m'avertit, il me dit, voilà, yani, vendez-moi la maison pour que j'aille faire un prêt pour yani, prêt bancaire pour acheter la maison. Ce cas, c'est interdit de lui vendre. Non. Tout dernièrement, ma mère, Hafidha Allah, a vendu sa maison.
J'étais avec elle. Plusieurs gens sont venus et ils disent, voilà, on va acheter et seulement toi, tu nous signes ici, il y a un papier comme quoi tu vas nous vendre pour qu'on aille à la banque et Yanni, ils vont nous donner l'argent, on va le ramener maintenant, Yanni, avec la somme que vous avez demandée. Et moi, je lui dis, mais ça, c'est haram. Parce que moi, je vais te pousser à contracter Yanni, ce haram. Donc, moi, je vais te pousser, je vais te dire, d'accord, je vais te vendre, alors va faire le haram et ramène l'argent. C'est comme si je te dis, va voler, ramène l'argent. Et encore, voler, c'est moins grave que contracter des crédits d'intérêt. Non, car le prophète alayhi salam a dit que quoi? Il a dit un seul dirham, un centime, un seul dirham d'intérêt, c'est comme celui qui a fait 36 fois la zina. C'est comme celui qui a fait 36 fois la zina. Donc c'est beaucoup plus que le vol et que la zina. La zina, c'est la faire une fois. Mais un centime, c'est 36 fois. Qu'en est-il celui qui va faire des intérêts de 10 000 euros, 20 000 euros et 100 000 euros? Donc c'est vraiment un grave. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith authentique, il a dit les intérêts, l'usure, ça comporte 72 portes, 72, 72 branches, 72 rameaux. Il a dit le moindre, le plus petit des rameaux, le plus petit péché, c'est comme celui qui fait un rapport intime avec sa mère. A'oudhou billah. Où? Dans la chambre à coucher. Il a dit non. Dans la rue devant tout le monde. Imagine. Quelqu'un fait ça avec sa mère. Si au moins c'était en cachette. Au moins en cachette. Mais là devant tout le monde. Regardez cette personne. Ce qu'elle est en train de faire avec sa mère. Allah subhanahu wa ta'ala al-'afiyah. Tafadhal. Naam, cher, pour la question des impuretés, elle dit c'est le bouchon de la poche des os. Le bouchon de la poche des os. Tfadal, cher. Dis-lui que je suis un homme et que je ne connais pas ces choses. Non. Faudrait qu'elle explique. C'est un bouchon d'une substance glaireuse qui protège le bébé, une barrière contre les microbes. Et qu'est-ce qu'il a sur le bouchon? Donc répète maintenant la question. Qu'est-ce qu'il a sur le bouchon? Tfadal. Non, mais je la répète, cher. Je suis arrivé à terme de ma grossesse. Depuis quelques jours, je perds le bouchon muqueux. Suis-je en état d'impureté? De ce fait, dois-je continuer ma salate? Tfadal, cher. La femme enceinte arrête de prier quand elle commence à avoir un sang qui ne s'arrêtera jamais de couler jusqu'à accouchement. La femme, même quand elle a le sang, elle est enceinte, elle prie. Si elle a un sang qui coule et qui s'arrête. Mais à partir du moment où il y a un sang qui coule avec des contractions. Des contractions dans le ventre et le sang qui a commencé à couler pour ne plus s'arrêter jusqu'à l'accouchement. C'est là que, inshallah ta'ala, elle va arrêter de prier. Naam. Tafadhal. Question suivante, et je vous rappelle, cher, qu'on a commencé les questions à 22h. Salam alaikum, cher. Est-ce une obligation pour que la prière soit valide d'avoir l'intention avant de prier, que ce soit telle prière ou n'importe quelle prière? Doit-on se concentrer dans notre tête pour que ce soit telle prière, ou est-ce possible de faire les ablutions et commencer takbir sans même réfléchir et mettre la niya que c'est pour telle salat? Car il m'arrive de commencer la salat sans me concentrer longtemps pour la niya que c'est la prière telle, c'est-à-dire Dohor, Asr, Maghrib, etc. Et j'ai peur que ma prière ne soit pas acceptée, car je n'ai pas eu la niya, j'ai pas pensé dans ma tête que c'était telle prière. Si je fais le wudu pour... Ça n'est pas la même... Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est possible pour les femmes de faire des UV, qui sont des rayons ultraviolets permettant de bronzer artificiellement, mais qui sur le long terme peuvent entraîner un cancer. Est-ce que cela est permis
Cela rentre-t-il dans la parure et entraîne-t-il de ce fait l'obligation pour la femme de se couvrir le visage, ou bien est-il identique au bronzage qu'on pourrait obtenir en étant exposé au soleil? Qu'Allah vous récompense. Fadal Cher. J'attendais de toi à ce que tu répondes à la deuxième question et que tu dises que j'ai répondu à cette question plusieurs fois. Ça, ou là là là. J'ajouterai ici une chose. Bah, la personne a posé dans cette question une chose aussi nouvelle. Elle a dit que maintenant, ça, elle a dit maintenant si elle fait ça, est-ce qu'elle doit se couvrir le visage ou pas? Non. On va dire, yani, elle a fait, yani, ici, un péché. Pourquoi? À part le fait qu'elle s'est fait mal, etc., parce que c'est un mal ce qu'elle fait, ça va se retourner contre elle. Et le hadith a dit, la darar ou la darar. Le hadith a dit, il n'y a pas de mal, ni on se fait mal, ni on fait mal aux gens. Donc elle s'est fait mal à sa peau qui risque de se dégénérer à la longue par, je ne sais pas, un cancer ou ce que disent les gens, la yahfadna. Elle, je lui dis que ta peau, ton corps ne t'appartient pas en islam. Il appartient au Créateur. Non, il appartient au Créateur. Maintenant, en allant bronzer artificiellement, à part le mal yani médical ou là qu'on peut avoir, maintenant, ça devient de l'embellissement. Maintenant, quand elle est bronzée comme ça avec son visage, c'est-à-dire qu'elle attire le regard des hommes. Donc maintenant, si elle a fait ça, au moins qu'elle cache son visage. Pourquoi? Car c'est comme si elle s'est maquillée. Auparavant, avant ce bronzage, elle n'attirait pas le regard quand elle marchait dans la rue. Et maintenant, les hommes, quiconque passe, yani, va être tenté par son visage, par yani, le fait de la voir. Donc, c'est elle qui, maintenant, fait la fitna. Elle fait la fitna aux hommes. Oulayadou billah. Non. C'est pour la deuxième question. Pour la première question, aucune personne ne peut rentrer dans la salat et dire, dans la salade, je vais faire la niya. Mais avant de rentrer dans la salade, elle doit mettre la niya dans le cœur. Non. Si c'est Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, si c'est une prière obligatoire, non, Fajr, Doha, même qui n'est pas obligatoire, mais désignée, Fajr, Doha, faite avant Dhuhr, et comme ça, elle doit faire quoi? La niya dans le cœur. C'est pas elle rentre dans la salade et elle dit, bon, ça c'est Dhuhr ou c'est Asr. C'est pour ça qu'on dit Cheikh Ben Othaymin rahimahullah, il dit, quand tu te lèves, tu te lèves. Non? Tu commences à te préparer à la salat. Tu te lèves, tu fais, si c'est obligatoire ou non, tu fais au moins Iqama, au moins. Sinon, l'adhan. Donc là, tu t'es dit déjà dans ton cœur que c'est salat al-bar. Qu'est-ce que tu es en train de faire Iqama, Allah Akbar, c'est pour qui? C'est parce que je vais faire salat al-bar. Et même, comme dit Cheikh Ben Othaymine, quand tu lèves les mains, tu lèves les mains pour dire Allah Akbar, sans bouger les lèvres, sans bouger les lèvres, dans ton cœur, tu dédors. Ou bien As, ou bien Maghrib, Isha. Juste comme ça, il y a un mot intérieur. Ce n'est pas un mot qu'on dit avec la bouche, sinon ça rentre dans la bida. Mais un mot qui est placé dans le cœur, c'est Salat al-Dhuhr, c'est As, c'est Maghrib, c'est Doha, c'est comme ça. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Pardon. Question suivante, cher. Assalamu alaikum, cher. Une sœur que je connais ne sait plus comment agir avec son mari. Depuis un moment, il retarde ses prières et depuis quelques jours, il ne fait pas salat al-dhuhr et salat al-asr, car il dort et ne se lève qu'à 16h30 et ne rattrape pas du tout ses deux prières avant le maghrib, car il dit que c'est trop tard pour rattraper ses prières, car le soleil se couche sous les cornes de Shaitan. Et la sœur ne comprend pas cette phrase. Ensuite, il part travailler de nuit et ne rattrape pas du tout. De plus, son mari fume à la maison depuis plusieurs années, alors qu'elle lui a dit à plusieurs reprises que c'était interdit. Et il le sait très bien, mais il continue quand même devant elle et leurs enfants. Son mari fréquente également un converti qui ne fait pas salat et qui fume de la drogue. Et il lui a ré récemment avoué que lui aussi fumait de la drogue de temps en temps. Elle demande ce qu'elle doit faire face à tout cela. Barakallahu fikoum, cher. Qu'Allah vous accorde le Firdaous. Question suivante. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafizakum Allah, ya cher. Ma question porte sur le port des chaussures pendant la prière.
On m'a rapporté que faire la prière en chaussures était tellement important que son statut se rapprochait de la sunna obligatoire. Qu'en est-il réellement et exactement? Barakallahu fikoum, qu'Allah vous augmente en science et vous ouvre la porte, les portes du paradis. Tfadashir. Afoun, je m'excuse si c'est long, mais madame Bikwarklofik, tu répètes la première question. Non, m'a fait mouchkil, cher. Une sœur que je connais ne sait plus comment agir avec son mari. Depuis un moment, il retarde ses prières et depuis quelques jours, il ne fait plus salat al-dhuhr et salat al-asr, car il dort et ne se lève qu'à 16h30 et ne rattrape pas du tout ses deux prières avant le maghrib, car il dit que c'est trop tard pour rattraper ses prières, car le soleil se couche sous les cornes de Shaitan. Et la sœur ne comprend pas cette phrase. Ensuite, il part travailler de nuit et ne le rattrape pas du tout. De plus, son mari fume à la maison depuis plusieurs années, alors qu'elle lui a dit à plusieurs reprises que c'était interdit, et il le sait très bien, mais il continue quand même devant elle et leurs enfants. Son mari fréquente également un converti qui ne fait pas salat et qui fume de la drogue, et il lui a récemment avoué que lui aussi fumait de la drogue de temps en temps. Elle demande ce qu'elle doit faire face à tout cela. Barakallahu fikoum, cher. Qu'Allah vous accorde le feu de Tfada, cher. D'ailleurs, ce qu'elle doit faire, c'est de voir comment trouver une solution avec lui. C'est de voir comment trouver une solution avec lui et lui faire savoir que ce qu'il fait est vraiment grave. Et que, sinon, ça va passer à quoi? Au stade familial. C'est-à-dire que je dois faire venir quelqu'un de ma famille, quelqu'un de ta famille, pour qu'il voit. Qu'est-ce qu'on doit faire? S'ils peuvent réconcilier, sinon ils ne nous séparent. Car, en commençant déjà comme ça, déjà une personne déjà qui peut ne pas faire une salat. Pendant une journée, par exemple, il dit dire, je ne fais pas aujourd'hui le dhohr, ou bien je me suis endormi, donc ce n'est pas la peine de faire le dhohr ou là. C'est vraiment grave. Hein? Ensuite, la personne dit que, yani il ne fait pas la salat à cause du soleil qui se couche entre les cornes de qui? De Satan. C'est vrai, le hadith a dit que le soleil se levait entre les cornes de Shaitan et se couchait entre les cornes de Shaitan. C'est-à-dire que c'est le Shaitan qui va se placer comme ça, qui va mettre ses cornes entre le soleil, pour que ceux qui l'adorent, l'adorent. Pour que ceux qui adorent le soleil, adore en même temps Shaitan. Ça, c'est pour la nafila. Tu réponds à ton mari que c'est interdit de prier à cette heure-là pour la nafila. Nafila qui n'a pas de raison. Je suis assis comme ça, je dis, et maintenant c'est le coucher du soleil, je vais faire deux rak'at. Ça, c'est interdit. Mais pour une salat obligatoire, elle doit être rattrapée à tous les temps. Non. Quand le soleil se lève, quand il est au milieu du ciel, quand il est en train de se coucher. Donc tous les temps, on doit quoi? On doit rattraper la salade. Mais le plus grave aussi, c'est que il a commencé à fumer, c'est qu'il fume la drogue. Il faut voir donc, c'est beaucoup plus maintenant familial que religieux. Religieux, s'il termine comme ça, c'est même permis de divorcer. Ça, c'est religieusement. Maintenant, socialement, c'est à voir avec ton mari, avec ta famille, avec les voisins, avec je ne sais pas qui, comment trouver une solution, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Non. Quant à religieusement, s'il continue comme ça, il ne fait pas tawba, il dit je ne reviens pas marche arrière, c'est permis de demander de se séparer devant Allah subhanahu azzawajal. Reste comme j'ai dit, socialement, est-ce que tu peux continuer toute seule? Est-ce que tu as beaucoup d'enfants? Est-ce que tu es genre qui peut se remarier? Est-ce que tu n'as plus envie de te remarier? Est-ce que cela? Ça, c'est social. Point social, c'est vous qui connaissez. Moi, je te dis seulement religieusement comment ça se passe. Bi-idhnillahi ta'ala. C'était quoi d'autres questions? Je reviens dessus, cher. C'est sur le port des chaussures pendant la prière, cher.
Non, pour le fait de porter les chaussures dans la prière, c'est une chose que les savants ont dit que chaque musulman devrait faire au moins une fois dans sa vie. Donc ça devient presque obligatoire, au moins une fois dans ta vie. Premièrement, pour avoir revivifié la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxièmement, pour être sûr et prouver que tu as quoi? Que tu as, yani, tu t'es éloigné du comportement des gens du livre. Car les chrétiens et les juifs ne font jamais, jamais, jamais de leur vie qu'une prière avec les chaussures. Et vous connaissez l'obligation de ne pas se faire ressembler aux gens du livre, l'obligation du musulman de ne pas se faire ressembler aux juifs et aux chrétiens. Et pour ne pas me faire ressembler dans cette chose-là, dans la prière qui est la chose la plus importante, je dois au moins prier au moins une fois dans ma vie. Avec quoi? Avec les chaussures. Et maintenant, alhamdoulilah, il y a mille et un cas où on peut prier avec les chaussures. Quand je suis par exemple dans la rue, je suis dans un jardin. C'est le moment de la salat, je suis dans un jardin. Pourquoi je vais enlever et j'ai des ablutions. Pourquoi je vais enlever mes chaussures? Je sois un homme ou que je sois une sœur. Encore plus une sœur. Non. Qui fait le maximum pour ne pas montrer ses pieds. Pourquoi enlever donc les chaussures? Non. Et il y a beaucoup de cas où c'est très, disons, ça tombe bien, disons. C'est opportun de ne pas enlever, par exemple, les chaussures. Par exemple, dans la salat janaza, chez les hommes. Chez les hommes, la prière sur le mort. Il y a beaucoup, par exemple, d'hommes qui ne savent pas comment ça enlever leurs chaussures. Pourquoi tu enlèves ta chaussure? Déjà, c'est bidat d'enlever la chaussure. Et deuxièmement, c'est pas là. C'est une occasion en or, au moins de faire la prière, même si c'est la prière du mort, mais de la faire, inshallah ta'ala, avec les souliers. Et aussi quand il fait froid, et aussi quand c'est à la maison. Je viens de rentrer à la maison, j'ai des ablutions, et je dois ressortir. Et c'est ça là, par exemple, c'est ça là, pour une sœur. Pourquoi elle va enlever ses chaussures et les remettre? Donc, elle met un petit tapis juste où elle pose ses genoux et ses mains et son visage. Et l'autre, Annie, elle reste avec ses chaussures et elle prie debout sans rien mettre sous ses chaussures, c'est-à-dire ni tapis ni rien. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Voilà, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui. Si tu as quelque chose à dire, musulman, tafadhal. Non, cher, je vais juste vous parler très rapidement, 2-3 minutes en PV, je ne vais pas vous retenir très longtemps, juste 2-3 minutes, Inch'Allah. Et Barakallahu fikoum, qu'Allah vous récompense grandement pour le cours de ce soir et tous les autres, chers. Vous aussi, barakallahu fikoum, jazakumullahu khairan. Et on va se rencontrer, inshallah ta'ala, mercredi, ou plutôt samedi, inshallah ta'ala, dans Riyad Salihin. D'ici samedi, inshallah ta'ala, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver, raffermir nos cœurs, nous aider et être avec nous, avec son aide et son secours. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.